Mais vous êtes là, vous? Ah, salut. De quoi? Comment je fais pour avoir autant d'énergie? Je suis content que tu poses la question. C'est simple. Bah grâce à Oli, tout simplement. Une boisson énergisante, sans sucre, sans taurine, sans canette, finalement, avec plein de goûts super fruités. Bah, voilà, finalement, c'est facile. T'es jamais à court d'énergie, avec de la caféine et de la new caf, au moins... C'est sur le long terme et t'es sûr et certain de ne pas avoir un coup de mou quand t'as fini de boire ta boisson. Enfin voilà, en tout cas, moi j'ai tout dit, t'as plus qu'à les commander maintenant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui réunis sur la Watt pour ce gros match, pour ce très gros match, car c'est la finale des playoffs de la Division 3 qui opposera Azurix à Serial Crew, et pour ce très grand cast, ce soir je suis accompagné de Ilental. Comment tu vas, Ilental? Salut à toutes et à tous, c'est Ilental et merci de m'accueillir sur ce cast de la finale de la Div 3, excuse-moi. Pas de soucis, c'est la première fois qu'on casse ensemble. Apparemment on a des petits problèmes de son par rapport à la régie. Est-ce que le chat peut nous confirmer qu'on nous entend bien? J'espère, ça peut arriver, c'est les aléas du direct. On entend bien, c'est bon, magnifique. Ok, donc on va pouvoir commencer la présentation des équipes pour cette opposition. Du côté d'Azurix, on aura au top, on aura Pourfrodon, très beau pseudo, qui est Master 430 LP et qui va jouer du Darius, du Aatrox, du Malphite, donc du Bruiser, du Tank, classique pour un top. Moi j'aime beaucoup ce Darius, en tout cas, pic de cœur avec Aatrox bien évidemment. Et d'ailleurs, Pourfrodon qui a plus de 300-350 games sur son Darius, donc je pense qu'on risque pas de le voir ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, en jungler, on aura Cleans, qui est D4, et qui va jouer Kha'Zix, Nidalee et Viego, donc pas mal de jungle carry, l'agressivité, on aime bien, on va voir ce que ça va donner. S'il est une aussi forte Nidalee que celle de Damwon, parce que j'ai oublié le nom de Canyon, pardon, ça fera peur. Ensuite, au mid, on aura Calopsia, qui est D3, et qui joue Talia, Orianna, Yone. Donc Talia intéressant, moi je vois pas beaucoup de Talia mid, je sais que c'est fort, je sais que c'est ok, ça joue mid, mais hâte de voir ce qu'il va nous proposer comme gameplay. Et Orianna Yone, assez classique, mage contrôle, assassin des gamids, très fort en late game, tout se passe bien. Ensuite en bot lane, on aura Psalia, qui est master 185 LP, et qui va nous jouer de la Nila, de la Sivir et du Lucian. J'avoue que je ne suis pas très au fait des match-up bots, mais ce champion pool m'aime bien. Lucian qui ne change pas beaucoup, j'ai vu pas mal de Sivir aussi. Nila, hâte de voir ce que ça va donner, je ne l'ai pas beaucoup vu dans mes matchs que j'ai plus casse pour la Watt. Et pour l'accompagner, au support, on aura Crysis qui est Master 171 LP, et qui joue du Rakan, de la Leona, de la Milio. Et ce champion pool, il fait plaisir parce qu'il promet du spectacle. Avec le Rakan de la Leona, gros support, gros engage, un Rakan, on rappelle, meilleur engage du jeu, très certainement, ça va juste trop vite, on peut pas faire grand chose. Et Milio, très beau Milio, très bon enchanteur, il a du cancel CC, il a du stun, il a du boost, enfin tout ce qu'on veut quoi. C'est vrai que Milio fait à peu près tout, c'est l'avantage du champion, contre très très bien les engages, il fait penser qu'il a un petit peu le même rôle que Janna. Je pense pas que ce soit un pick très contesté, parce que moi du côté de Serial Crew, je vais faire comme toi, je vais commencer du top jusqu'à la bot lane. On a Dark, D1 du coup en top lane. Joueur de, c'est rare, de action top. C'est très très rare, c'est son main, donc je sais pas si on le verra ce soir. Joue également Aatrox et Wukong en strong side.
On peut également blind pick du Gragas de son côté. On peut avoir réponse à peu près à tout. En jungle, on aura Django, Diamant 3 et encore un joueur de Viego, tout comme Cleanse, du coup, dont tu parlais juste avant. Donc lui, il joue Viego, Belvette, mais il sait aussi être plus polyvalent avec du Volibear, du Maokai également. Sur la mid lane, nous retrouvons Tenshi, donc lui, il est D1 et ses champions principaux du peu de data que j'ai pu récolter, ce serait Twisted Fate, Vladimir, Gangplank et Corki, donc des champions qui, à part TF, scalent extrêmement bien dans le late game. Côté ADC, t'en parlais, mais on a encore un joueur de Nilah, donc ce sera un pick sûrement très très contesté dans cette game sur les deux voire trois games de la soirée. Il joue Nilah et Yasuo, donc on a un joueur de mêlée ADC, en plus des AD carry, des AD classiques pardon, comme Aphelios et Tristana. Et pour clore l'équipe des Serial Crew, nous avons PikiYuubi, D3, gros gros joueur de Zilean. Joue également Karma et il est extrêmement polyvalent parce qu'il a également Nautilus, Maokai et Senna dans sa manche. Et on va tout de suite enchaîner sur la draft. C'est parti, mesdames et messieurs. Première draft de la soirée, comme ban classique pour Azurix, qui un ban Darius, Rakan, Talia. Est-ce que. Les bons sides. Ban? Je pense que c'est pas les bons sides, peut-être. Est-ce que la régie peut me confirmer? Ou si? Parce que ça me paraît bizarre de ban ses propres mains. Parce que Dark ne joue pas Darius. J'ai pas l'impression qu'il y ait un Rakan du côté de PikiYuubi également. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Petit, encore une fois, c'est pas très grave, mesdames et messieurs, vous en nous excuserez, j'espère. Donc du coup, on a First Pick Volibear du côté de Serial. On va First Pick cette Orianna du côté d'Azurix pour sécuriser la mid lane. Je serais attendu Intéressant. plutôt à une sécurisation de Karma pour un flex, éventuellement mid ou support, en réponse à ce Volibear. Je pense qu'on a vu ces différents bans, on s'est dit bah quitte à ce que ce soit ban, autant piquer ça maintenant. Maintenant le Aatrox. Oh là, Aatrox, il fait plaisir. Oh là, Aatrox, il promet le spectacle. Et on Aatrox, c'est enlève top. le Aatrox de Dark du coup en faisant C'est ça. vrai. Mais ça promet la bagarre. Encore un, ça va être un champion très 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 disputé dans les drafts. Hein. On Ah, peut s'en je. Ouais. assurer. Ça fait plaisir, parce qu'au moins on le verra, en espérant qu'il soit pas ban. Parce que bah personnellement je suis main top. Je joue pas mal Aatrox et ça me fait plaisir toujours de le voir en game. Et on Après, aura j'ai le peur. le petit karma, t'en parlais. Voilà. Karma très fort sur le patch actuel. C'est difficile de s'en passer, même si elle a pris quelques petits nerfs. Champion est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement polyvalent. On a du poke, du contrôle de lane, du peel, on a tout. Il y a tout. Tout Oui, dans ce c'est vrai. champion. Puis sur ce patch, et même en général, je trouve que karma a jamais vraiment été faible, en tout cas depuis que je joue au jeu. Et il a toujours été, bah, comme tu dis, sa polyvalence, c'est une de ses forces, hein, une de ses forces majoritaires. Et en plus, on peut la flex pick. Et du coup, Zeri, ok, du côté de Serial, Et ADC assez vif, on aime bien. Zeri, c'est revenu dans la méta un peu à cause de Smolder, parce que je crois qu'elle a un bon match-up dedans. Et on voit que là, Oui. le Smolder n'est pas ban. Alors, est-ce qu'on veut peut-être empêcher le pic du petit dragon? C'est une Mais possibilité. dans le dernier patch, Smolder s'est fait nerf, Dieu merci. Ou c'est dans le prochain, je sais plus. Mais j'ai vu un nerf de Smolder passé qui a été annoncé. Et ce sera potentiellement un pick Jinx pour finir ce. Il a subi un gros nerf, oui, c'est ça, on me confirme de la régie, cette régie toujours extrêmement efficace sur les infos. Et du coup, ce sera le pick Jinx sécurisé pour Ok. Azurix. Maintenant, je pense qu'on va essayer de se donner de l'espace. On a pick le jungle et potentiellement la botlane. On va peut-être vouloir s'enlever des supports qui sont gênants. Côté Serial Crew, je les vois bien enlever par exemple un Milio ou un Rakan. Rakan a déjà été enlevé, pardon. Je vois bien enlever Milio ou potentiellement Leona. On verra, sauf si elle se pose. Je pense que Zeri a peut-être. Je pense qu'on veut chercher du disengage du côté de la Jinx pour être un peu sécur en lane. Je dis ça, hein, ça se trouve, on va m'insulter parce que j'y connais rien. Mais donc je pense peut-être le ban Milio serait plus logique que le ban Leona parce que je pense pas que tu joues extrêmement agressif avec Jinx. Quoique, peut-être un reset ça peut faire la différence, c'est vrai. À voir ce que ça va donner. Ce sera le ban des bans jungle en tout cas pour l'instant pour cette deuxième rotation avec Belvette, Jarvan du côté d'Azurix et Nidalee du côté de Serial. Marrant qu'on ait ban le Jarvan de Django parce que je n'ai aucune data sur son champion Bah, je pense dans ses plus joués. qu'on ban ce Jarvan parce que pour l'instant je vois pas énormément de disengage en fait. On a du contrôle mais on n'a pas forcément de la disengage donc on peut éviter de se faire catch surtout une Jinx et une Orianna qui n'ont pas beaucoup de mobilité. C'est vrai que la cache sur Jinx est dévastateur.
Ah, le Wukong! C'est Un Wukong dans les un bon jambes. counterpick d'Aatrox. Enfin, c'est pas counterpick, c'est un très bon matchup contre Aatrox. Donc, on enlève cette épine du pied de Pourfrodon. Et on Et sécurise un très très bon. draft à Xurix n'est pas fini, mais elle fait déjà peur, hein, parce qu'ils ont un bon late game, ils ont une bonne front lane, pas mal de CC. Moi, je l'aime bien cette draft. Serial aussi, on a pas mal de propositions. On a un bon late game aussi, on a pas mal de polyvalence. Et je pense qu'on s'est trompé hein, sur ces bans Belved, Jarvan. Je pense que ce Volibear va être jungle. Je pense qu'on Peut-être, s'est c'est vrai que trompé. ça explique. Un Rumble top, oui, effectivement, je pense qu'on aura un Rumble top. Parce que c'est vrai que je crois que Dark joue un peu de Rumble, de mémoire. Je l'ai pas vu dans son pool, alors pas dans ses plus joués. Je me trompe. Je me rappelle avoir vu un Rumble quelque part, donc c'est peut-être pour Fourdon, mais en tout cas, pic intéressant. Faire attention parce que c'est peut-être pas le meilleur pick contre Aatrox. Parce que la range d'Aatrox permet un peu d'enlever cet avantage que Rumble a en early, mais Rumble a quand même de gros gros dégâts, donc pas sous-estimé. Et le Nautilus rapide comme support. J'ai peur qu'on manque un peu de. On a un bon kiting côté Céleste Crew. J'ai peur que ce soit un peu léger en termes de dégâts. On verra. Hein. Les premières escarmouches nous donneront des réponses à ces questions. Oui, on va voir ça, on va voir ça. Mais du coup, ouais, très bonne frontline avec ce Nautilus. On a un bon teamfight, hein. On a un beau teamfight du côté de l'équipe des Céréales. Enfin, on a un beau teamfight du côté des deux équipes, j'ai envie de dire. Et du coup, t'en parlais, Emilio. la Milio, qui risque d'être sélectionnée, voilà. C'était sûr. Je pense que Milio Jinx, ça peut être assez fort, hein, le boost de range. Déjà, Jinx, avec son lance-roquette, a pas mal de range. Ça peut mettre pas mal de pression. Ça peut donner des pushes faciles en early. On a quelques CC à Klitz, on a le petit stun de Voli, on a le Vrai. route de la Karma, le stun de. Non, c'est bien le stun de Nautilus. Ouais, le combo de Nautilus surtout, je pense que c'est ce qu'on va vouloir aller cleanse parce que ça stun longtemps ce truc, hein. Et d'ailleurs, Nautilus me fait penser que est-ce qu'on va voir des dingueries au niveau des grabs de Nautilus? Est-ce qu'on va voir des Alors. grabs du destin comme je les appelle? Ah, c'est pas mal comme nom, j'aime bien. J'espère pas, parce que vraiment, ça me rend furieux ce genre de grab. Mais. C'est vraiment furieux. Tu en subis souvent. Non, pas moi, mais quand je les vois passer, ils sont souvent dans des best-of sur YouTube ou des streams. C'est vrai que Être c'est frustrant. problématique. Tandis qu'au niveau des paris de notre chat, c'est assez mitigé, hein. On donne le 50-50, on va dire. Ouais, Et 50-50 quand même. donc toi, j'ai envie de dire, rien qu'en voyant les drafts, sur qui tu mises ta pièce? Alors, j'aime beaucoup la draft AZX. Je l'aime beaucoup la draft d'Azurix avec. On va créer le chaos. On veut créer le chaos dans l'équipe des Serial Crew. Et avec Aatrox, avec Wukong, avec Orianna, on va vraiment mettre le Zbul. Voilà. Alors, on va mettre le Zbul dans l'équipe. Ça va être compliqué pour eux de répondre du coup aux agressions répétées en escarmouche ou même en teamfight. À voir. C'est vrai, du côté. Et du côté CRL, il y a une bonne draft aussi. J'ai envie de dire, les deux drafts sont assez similaires dans le sens où c'est deux bonnes drafts teamfight. On peut mettre pas mal de KO avec un ulti Rumble, un ulti Nautilus, un ulti. On peut go in assez facilement. On a du disengage quand même. On a de l'escape, surtout sur cette Zeri. Ça peut peut-être faire la différence entre une Jinx et une Zeri en teamfight. La Zeri peut peut-être plus facilement se replacer si elle est en mauvaise posture qu'une Jinx. En fait, tu Donc. vois, moi, si j'avais. Excuse-moi, je pensais que tu avais fini, désolé. Non, pas de soucis, pas de soucis, écoute, c'est pas grave. Mais Moi, voilà. j'aurais bien modifié. Je suis désolé. Vas-y, Non, parle. vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Non, j'avais fini. Je vais finir ma phrase, vas-y. En fait, si j'avais. Enfin, je pense qu'on aurait pu remplacer cette Zeri par un Jhin pour faire une espèce de compo pick-me, enfin une pick-up, tu vois, récupérer un support ou un jungler qui va apprendre au coup. Enlever de la vision plutôt que de s'orienter sur une compo un peu plus teamfight. En équipe, je suis pas fan de Jhin. Je trouve que déjà des compos teamfight sont plus fortes que des compos escarmouche et en général, je trouve que Jhin n'a pas assez d'impact en vérité. Sauf si t'es très bon sur le champion et il est très dur à jouer. Et je vais profiter du petit temps qu'on a quand même pour faire une petite pub pour notre partenaire Oli. Notre partenaire Oli, les boissons énergisantes, bien évidemment. Donc avec le partenariat qu'on a avec la Watt, vous avez sur leur site déjà la boîte de découverte à 14,99 € seulement. Vous avez ensuite 5 € de remise sur le premier achat avec le code WATT5, donc OUAT5. Et enfin, on aura 10% de remise sur toutes les commandes, si je ne m'abuse, avec le code WATT, OUAT, tout simplement. Voilà. Donc c'est le petit instant hashtagade pour notre partenaire qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Et également, petite information au niveau des events.
Ce week-end, dimanche, on a un petit event Devine ma motivation. Donc ce sera rendez-vous sur le channel Watt Taverne à 14h30 le dimanche 24 mars pour des games en 5v5 en partie perso. Il y aura 3-4 games environ. Et en gros, vous ferez des petits défis, ce sera sympa, ce sera amusant, et chaque défi rapporte des points, et à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne. Il gagne le fait de dire qu'il a gagné. Voilà, c'était le petit instant hashtag. C'est très bien réalisé, bien. Merci à toi pour les informations, j'en apprends tous les jours, en tout cas. Eh bien, on sera là, ce jour-là. Ça fait plaisir. Et je sais pas quel rôle tu joues, toi, dans quel rôle tu as le plus de connaissances, mais moi, ce match up top, il me plaît bien. Parce que ce match up top, il annonce la bagarre et Voli Aatrox. Ah non, mais je suis bête, c'est Rumble. Oh, mais je dis n'importe quoi, pardon. Excusez-moi. C'est Rumble, ça peut être très one-sided, pardon, je pense. Ça peut très vite aller d'un côté comme de l'autre. C'est vrai. Et tandis que notre game. Non, c'est pas la game encore. Bientôt, mesdames et messieurs, bientôt. Mais du coup, oui, c'est vrai, Rumble Aatrox, ça peut être one-sided, comme tu as dit. Ah, c'est l'inverse apparemment. Ah oui, peut-être. Est-ce que c'est... On ne sait pas. Ah, qui me bait. Je suis full bait. Je ne sais plus. Je suis perdu. Ah, je ne sais plus. Je suis perdu. Après, c'est Dark. Dark, c'est le top. Dark, c'est le top. Effectivement, mais je crois... Non, si. C'est bon. C'est juste qu'ils sont inversés, là. Je pense qu'ils sont inversés. Mais c'est le top. Mais du coup, oui. Donc, ce sera Rumble. Et du coup, c'est vrai, comme tu as dit, c'est one-sided. C'est... Les... Rumble a en général un avantage parce qu'il fait quand même des bons dégâts. Il a la range. Mais contre Aatrox, il perd un peu cet avantage. Mais Aatrox peut quand même se faire surprendre du coup par les dégâts, et ce sera le... J'ai envie de dire, si l'un des deux prend un kill, sur un gank ou en solo, ça peut vite tourner au vinaigre pour l'autre top laner. Tout à fait. J'ai en profité pour rappeler les enjeux du match, parce que les enjeux, il y en a ce soir. On est donc sur la finale de la Division 3 de la Watt Venture, et le vainqueur aura la chance, d'affronter les Belgian Banter Clowns pour accéder en Division 2. C'est un match crucial pour les deux équipes, du coup on peut être promu tout simplement. On peut accéder à l'échelon supérieur en cas de victoire. Enfin, si on enchaîne deux victoires en BO3, plus proche que jamais de l'accession en Div2. Ce serait beau, ce serait magnifique. Je leur souhaite le meilleur, j'ai envie de dire, je leur souhaite de monter à ces deux équipes, mais d'abord ils doivent s'affronter. D'abord ils doivent décider de qui d'entre ces deux-là seront le meilleur. Et d'ailleurs, je me demande si du coup les joueurs avec ce. Match à enjeu, entre guillemets, c'est pas non plus les finales du LEC ou des Worlds, mais et comment ils vont réagir peut-être? Est-ce qu'ils ont un peu la pression? Est-ce qu'ils stressent? Est-ce qu'ils ont au contraire l'habitude et que bah, la pression c'est de l'eau? Hâte de voir si ça va peut-être influer sur leur performance. Est-ce que c'est pas et... nous qui leur mettons la pression? Et une pause qui a été envoyée, on nous annonce petit problème de co, j'imagine, d'un des joueurs peut-être, espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Vous inquiétez pas. Les games arrivent, mesdames et messieurs, les games arrivent. J'espère qu'en tout cas que vous êtes hype dans le chat. J'espère que les ultras sont là pour supporter leurs équipes. Faites du bruit dans le chat, ça fait toujours plaisir. Donnez-leur de la force, ils en auront besoin. Et si on revenait un peu à l'analyse des match-up, cher ami Ilental, au mid, à ton avis Je pense que c'est deux champions qui sont plus ou moins similaires dans ce qu'ils savent faire. On va essayer de contrôler la wave, de prendre un maximum de prio pour les deux. Je pense qu'on va pas trop se taper dessus au mid. Je pense qu'on va clean les waves et décaler pour aller aider son jungler ou autre. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Bah, moi, j'avoue que le match-up Karma-Oriana, je ne connais pas grand-chose. J'aime bien les deux champions, mais je te rejoins assez sur le fait que bah, ça reste deux persos avec du contrôle. Maintenant, leur contrôle est un peu différent. On va dire que Oriana, c'est vraiment un contrôle très très long range. Et aussi la peur à partir du niveau 6 de cette shockwave, hein, de cette... Bon, là, je bégaye un petit peu. De cette shockwave qui peut déterminer un teamfight. Mon cher ami, on est lancé. Mesdames et messieurs, c'est parti. Première game de ce BO3. Serial Crew contre Azurix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau 1? J'ai l'impression qu'on va pas prendre de risque des deux côtés. On va se jauger. Hein. On va se jauger au début. Je pense. On va couvrir toutes les entrées des jungles des deux côtés. Première game importante pour le mental, ce serait bête de la give sur une invade ratée. Est-ce qu'on a ça, info? Les invades ratées, c'est pour les games 5, hein. Enfin les games 3 du coup, on connaît. Hein. Et, oh, le throw là, la pression, on craque. Non, et du coup au niveau des runes, j'ai envie de dire. Attends, mais c'est... Non, c'est... Ah mais... Non, c'est bien Rumble Top, ok. Oui. On est sûr. Non, mais j'ai encore un doute, c'est encore un peu mélangé, mais c'est bon. Et du coup, on a Ignite du côté de Dark, il veut...
Il veut se battre. Dark, il a très dangereux, hein, parce que si c'est solo volo, moi ah, le... je le fais pas. Hein. Ouais, déjà, et puis en plus de ça, c'est en mid late game, il devra être très attentif au niveau de sa gestion des waves et de son déplacement sur la map, parce que bah, l'avantage de la TP mid late game en solo queue, c'est ça va, mais en combat d'équipe, ça peut en game équipe team contre team, ça peut faire la différence. Après, je m'inquiète pas trop parce qu'en général, on veut envoyer un seul joueur en side lane. On a quand même une TP sur Tenchi, sa karma. Je pense que ça a été réfléchi en amont, même si c'est vrai que t'as moins le droit à l'erreur, comme tu dis, le fait de pas avoir une TP en mid lane. Ouais. Ça se jauge, hein. Ça se tourne autour, ça se regarde droit dans les yeux. C'est comme un début de combat de boxe, j'ai envie de dire. Autant ouais, des ça. Petites agressions. Début de phase de lane assez classique. Au niveau des clear jungle, on a skip les Krugs du côté de Volibear. On dirige vers le blue buff, probablement pour faire un fast gank boost-up. Et le gros trade passage niveau 2 hein, du Dark, qui joue très bien sur ce timing aggro. Il met midlife la troc. Alors, c'est compliqué pour lui. Je pense vraiment que le matchup n'est pas en sa faveur. On a posé la vision sur les corbins du top side pour la karma. Oh mais attends, parce que... oh, il a donné l'info à son jungler, du coup il va pas sur les corbins. C'est bien joué ça. Oh, il anticipe le gank top. Il anticipe. Ou le counter gank. Oh, mais c'est incroyable. Ah, Atrox toujours niveau 1, c'est compliqué. Ah, la transi niveau 2 dont tu parlais, ça a fait beaucoup de mal. Hein. Ok, c'est bon, il a niveau 2. Il va récupérer le niveau 3 avec la wave, faut tamper un petit peu. La chaîne qui a raté, attention, le stun qui va connecter. Le Aatrox qui va prendre énormément de dégâts, il va flash, mais ça va pas suffire, il va tomber. Le Volibear qui va survivre à un HP. Wukong qui est très low, est-ce qu'il peut tenter le trade kill? On a la TP du Aatrox, est-ce qu'il peut revenir suffisamment vite? Est-ce que le Rumble overstay pas un petit peu? Il va se prendre le coup de tour, il est très low. On a plus de flash sur ce Aatrox. On a plus d'ignite sur ce Rumble. Et ce serait l'avantage, c'est rien, du coup, first blood pour ce Rumble. Le time était extrêmement bien joué. Enfin, même en 2 contre 2, ils ont pas paniqué du tout. Et la force de l'Ignite, hein. En fin de compte, tu vois, il aura bien servi, il aura permis de récupérer le kill. Et il aurait pu permettre de trade kill s'il l'avait fait sur ce Aatrox aussi. Donc, à prendre en considération pour les prochaines games, peut-être du côté de Pourfrodon. Bon, je pense pas non plus. Je pense que c'est simplement très bien joué de la part des. Je sais pas si l'Ignite a vraiment fait la diff à ce point-là. Mais c'est vrai que dans les premiers niveaux, ça fait quand même pas mal de. J'ai pas du tout le chiffre en tête, mais oui, ça reste un 100 en plus. Oh, c'est dur là, c'est dur pour Azurix en early. C'est très dur. On a vu une tentative de freeze du milieu bot lane, mais l'Azeri et son Nautilus l'en ont empêché. On n'a pas pu mettre bien cette Jinx qui, malgré tout, a une petite wave d'avance actuellement. Il a décalé au mid. Si la Orianna n'a pas l'info, elle fait un pas trop, elle est morte. Non, c'est bon, ça va. Il y a du reculer. Un ram mid à 4 minutes de jeu, messieurs. Enfin, un peu de tenue, messieurs. Un peu de tenue. My League of Legends. T'as vu que le Aatrox, malgré cette fée kill, il a pas peur. Hein. Il veut push the wave. Il profite de ses popos chargeables, on va dire. Oh, mais le clear de Rumble. Oh, attention. Et ce gank au bot, est-ce que ça peut. Non, je pense que ça va reculer directement. Attention à pas se faire grab, à pas aller trop loin. Un niveau de retard, il rate ton deuxième sweet spot, il a pas peur. Est-ce qu'il overcommit pas un petit peu? Est-ce qu'il ego play pas? Et il va mourir sur ce place, bah oui! C'est dommage! Et Dark, ils vont en profiter, bien évidemment! Non, est-ce qu'il va survivre? Non, il va mourir. Non, non, c'est fini. Solo bolo! Il va overextend beaucoup trop, il va ego play, ça peut arriver. C'est pas prêt. Je comprends, mais il faut se contenir, il faut garder son sang-froid, c'est pas grave. Pour reset mandat, se dire. It's ok, juste tanker maintenant. Ah, c'est dur parce que dans les premiers niveaux, Aatrox il a besoin de pas mal de CDR, enfin, au moins aller une vingtaine de haste pour faire ses spells. Au début, c'est compliqué hein, de tenir le push d'un Rumble, le poke d'un Rumble, c'est difficile. Plus qu'une comète. En plays, on va avoir un bel avantage au top, ce qui va permettre peut-être de sécuriser les scrubs, oui, c'est ça, les void scrubs, de manière assez gratuite. Genre. On parle et effectivement, je pense qu'on essaie de prendre la prio du côté des 2000 laners actuellement pour se pencher vers cet objectif, bien que Azedith se dirige d'abord vers le dragon. Avec 13 early, c'est pas vu, c'est pas spot. Faut pas faire de bruit. Fais le moins de bruit possible, pas qu'il sache. Ouais, donc c'est en tant que top laner, tu sais que les points ils sont importants, hein, voilà.
C'est Drake, je sais pas ce que c'est. Drake Océan en early game sur un top laner, c'est... Oui, bah en général, Drake Océan en early, c'est ce qu'on préfère avoir, la petite régène, peu importe la lane, elle fait du bien, en général, pour le solo laner. Mais Anix, tu n'as pas peur, Kroon. À la 30 niveau 6. À la 30 niveau 6 du Rumble. Pour Chrono, il a pas peur, hein. Il se dit 0-2, pas le pardon. NP. C'est bon, voilà. Oh, le grab, le très bon grab ici sur Jinx. Est-ce que ça peut kill? Est-ce qu'on peut, on va full commit, on va full commit. L'apathie qui est lancée sur Jinx, mais la Ziri qui est très haut dégâts. L'avantage de range, tant pis qu'on va lancer ce dive directement au top. Il va se prendre énormément de dégâts sur 30, il va tomber, bien évidemment. On va pas prendre le trade kill sur ce, sur Django. Django qui se revient encore une fois en HP. Très très bien joué de la part de cette top lane, en tout cas CRL. Qui nous offre une très bonne game. On a identifié du coup hein, la win condition des céréales. C'est ce rumble, hein. C'est complètement ce rumble. Rumble dans flanking sur un ulti, ça fait vite très mal. Hein. Alors, rumble sur Jinx sans mobilité, pas de trash. Attention, l'écolaliner qui peut exterminer les Squeaky. Oh le comment flasher ici directement sur cette Jinx, on va la prendre, on va récupérer ce kill sur Tonka qui a pas été attentif. Oh c'est dur. Il a comme tu dis. Et on va voir là s'il ne se passe rien, on va avoir une petite face cam de la part de notre Watt, de la part de notre régie. Les petits problèmes mesdames et messieurs, ça va être réglé rapidement, on est désolé. Normalement, il devrait rien se passer de très grave, mais en tout cas, très beau place de la botlane. Hein. L'inspiration, j'ai pas fait gaffe s'il y avait la vision, mais l'inspiration oui. du support qui vient chercher ce grab sur le flash in qui surprend. Il y avait complètement la vision. Et qui est gratuit derrière. C'est reparti. Oui. Il y avait complètement la vision, et c'est autant c'est bien joué de la part de PQB, autant on peut s'y attendre. Hein. Je pense que la ward avait été ping, pardon, on devait savoir que c'était, on avait la vision. Peut-être un peu coquille de Ricole ici. Il va pas prendre une vidéo catch. Est-ce que ça peut aller plus loin? Le grab qui va connecter sur cette Jinx, ça va encore prendre le long game. L'ulti de la Mino qui va permettre de cancel les CT. Le Wukong en support, l'ulti de cette Zeri, on va full commit, on va y aller. On va y aller, la Jinx qui est très low. Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Est-ce qu'elle va résister le dashing de cette Zeri? Elle n'a pas peur. Elle va aller les chercher avec sa move speed. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on a les dégâts? Oui, on va prendre ce kill. Est-ce qu'on va aller chercher la Mino? Non, très bien, mais est-ce qu'on peut tenter un dive peut-être sur ce Wukong? Est-ce qu'on va réussir à le cancel? Non, ça ira pas trop loin. Très beau catch. Vraiment bien joué de la part de Klinski. On peut penser qu'il a tardé sur le bleu, mais il a pris son niveau 6 en fait sur le bleu pour essayer de pile sa botlane avec ses, avec son cyclone. Ça n'a pas suffi malheureusement. Ouais, c'est là l'early game en tout cas des céréales 3K gold d'avance à 9 minutes de jeu. Oui, bien qui montre pourquoi le champ est très disputé en ce moment. Hein. Présence early game incroyable de la part de Django. Top. Ça trade, mais on n'a pas les dégâts, on n'a pas la tankiness pour face ce rumble en 3-0. Et on n'a plus l'ulti et ça va tomber malgré l'aide de cette Lilia et l'Ignite avec l'ulti. Est-ce que ça va suffire? L'apprenti va survivre à un HP, mais on n'a plus de flash. Et l'interruption pour ce Wukong. Oh là là, le catch, le retournement de situation. Voilà, on finira pas sous le baby du côté ADX. Premier kill qui est pris, ça va faire du bien au mental. Ça va redonner du beau au cœur à l'équipe. Allez les mecs, on se ressaisit. On peut revenir de stade 0-5. Est-ce que ce serait pas le son de la révolte que j'entends? Et attention, ce DV2, on a plus de Shockwave du côté de cette Oriana, il faut faire attention. Tranquillement, ça met la pression sur cette Zeri, le Nautilus est en train de revenir. Zeri en 2-0 aussi, hein. Attention, hein, elle a... Ouais, en plus avec la batteur, ça peut donner... Elle peut avoir pas mal d'avance au niveau des golds, faire gaffe. Et au niveau des CS, petite avance au top, hein, forcément, il est mort 3 fois, donc c'est compliqué. Attention, c'est Atrox. Est-ce qu'il serait pas un peu perdu? Non, il va dash out tranquillement. Ça va, on se met en sécurité. Ouais, petit point CS, tiens, d'ailleurs, pour en parler. On a 3-0, plus presque 3 waves d'avance pour le Rumble. L'écart de gold doit être considérable sur la top lane. Merde, on a déjà Haunting Guys, des potes de sorcier, une baguette explosive. Alors qu'en face, on a certainement ex-drinker et de longs sorts. Ça va être très très compliqué pour... Pour Frodon, malgré le retard, sachant qu'Atrox est bientôt niveau 9, donc à niveau 9 on rappelle le Q est maxé hein, pour Atrox, avec Ainsdrinker ça peut faire vite la différence, hein. Ça peut surprendre même en étant en retard. Là il a récupéré un assist, c'est vrai, tu dis, ça peut revenir, attention à pas être trop coquille du côté des céréales, et on est sur les Void Scrubs. On va valider, je pense qu'ils vont avoir les 6,
Et les Void Scrubs, on le rappelle, grosse grosse force de push. Si on arrive à envoyer ce Rumble ou cette Karma en split, ça peut vite faire la différence parce que les tours tombent très vite en général quand t'as les deux petits Scrubs qui sont avec toi pour Scrub, pardon. Donc on va attaquer ce Drake. On aime les Drakes hein, côté Azurix. Deuxième. Déjà le deuxième, du coup, le technochimique qui tombe et on va partir sur une map nuage. En fait, c'était les. Oui, c'était bien les 6, d'accord. Parce que l'overlay n'était pas mis à jour. Je me demandais si c'était pas tout à l'heure sur le gant qu'ils n'en avaient pas laissé un seul de côté. Mais non, on a fait les 6 votes, du coup. Et du coup, cette âme nuage qui peut profiter aux deux équipes. La manque de mobilité des carries Azurix peut peut-être plus en profiter. Bah même en zone rouge, hein, le Rumble actuellement, si même au corps à corps, il l'extermine sur la trop. En fait, on va faire un item en tilt sur Rumble, je pense que ce serait le call. À moins qu'on finisse d'abord le Liandry. Gagou qui met. Oh, attention, on va pas se faire catch par ce volley, à pas être perdu. Alors, il y en a qui commencent à faire un petit peu mal quand même, on n'a pas d'RM côté de Volibear. On partira, c'est très offensif d'ailleurs sur Volibear. J'aurais pensé plutôt peut-être un full tank, vu qu'on n'a pas de front lane à part ce Nautilus. Ah, au moins c'est un Nautilus Aftershock, j'avais pas vu, ça va, c'est pas un Nautilus au petit glacial. Oui, on aura des quand même ça peut, si on manque de tankiness face à une chaîne sur Yana, ça peut être problématique. Ah dommage, la chaîne qui connecte pas, ça aurait pu être douloureux. Oui, attention, le catch ici au bot, la Jinx qui va prendre tous les CC, on n'aura pas pouvoir le clean, et elle va être forcée au flash out, est-ce qu'on peut aller plus loin? Les choses trap qui vont connecter, on a ce volley en backup, est-ce qu'on va tenter un dive? On a également le décal de cette Karma, l'Oriana qui va essayer de se précipiter au bot pour venir sauver. Il va lancer le dive, la tortue va être désactivée, la Jinx va complètement... Oh non, elle va survivre, non, elle va tomber, le kill ira pour Tenchi. Et ça va être arrêté là, le volley, très bon dive à chaque fois, du volley qui est toujours présent, qui survit, qui tank, c'est beau. Hein. Ah, le volley bien est très très bon dans ce qu'il fait, vraiment la pression qu'il avait. En plus, 0-0-4, tous les kills sont sur les carries. L'early game de Serial Crew est incroyable, vraiment, main de maître. Early game, maintenant il va falloir conclure avec cette early game, il va falloir réussir parce que ça peut être des fois le plus difficile. Pas forcément prendre l'avance, mais profiter finalement de cette avance. Beaucoup de cette Karma. Et l'Oriana a validé son. J'ai oublié le nom de cet item, vous me le rappelez. L'archange. L'archange, voilà, merci. J'ai du mal un peu avec les noms des items. Et pareil, ce Atrox qui aura son. Sa Malmortus. Le Liandry pour Rumble. On a déjà acheté le composant avec la peine et magie du coup pour le Rumble. Du coup, on, je vais pas dire qu'on annule complètement la tankiness de la Malmortus, mais ça réduit beaucoup moins de dégâts du coup. Encore une fois, ce Rumble sur le premier teamfight où il va apparaître sur la carte, il va y avoir des disparitions. Plutôt le dit. J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Non. Ah ouais, exactement. Mais vraiment, ça va sortir le cochon grillé. Hein, c'est mieux. Je t'en dis qu'on va engager cet Herald. Pour les céréales. Cette avance au top qui a permis de sélectionner tous les objectifs top assez facilement. Inside. On joue complètement sur Rumble de manière désinhibée. Tandis que la Karma met une pression incroyable sur la midlane aussi. Avec un Octa qui a été midlife. On ne peut pas vraiment tenter de décal pour ses alliés. Un niveau de retard pour ce Aatrox. 46 d'avance, le Dark qui nous... Ça me fait mal de voir Rumble gagner, mais je peux qu'admettre qu'il est meilleur pour cette game. Vraiment bien, bien joué. Et tout ça, ça part de la première wave, la gestion de wave. On a pris la transi niveau 2 et derrière, ça part de là. Hein. L'effet papillon est terrible pour Frodon. Pour Pop commence à être low. Pour le 1 contre 1. On va, c'était juste pour contest, on va récupérer ce Carapateur. Une minute avant le dragon. Mais à mon avis, la terre en top va tomber. Ah, déjà, l'Iron Solari sur Nautilus. Oui, et la terre en bot est tombée également. Donc là, pour l'instant, on va avoir deux tours d'avance du côté de Serial. Et est-ce qu'on peut avoir un petit point gold de la part de notre Régie? On voit un 2000 gold d'avance sur ce Rumble. Tandis qu'au fight, le fight au top, ça s'en est. Les dégâts sont bons. Ouais, on a les très bons dégâts avec le piqué balancé. Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut réussir à prendre? Il va flash in. Le flash in qui connecte, il va survivre à un HP, non! La roquette peut-être? La roquette de Jinx peut-être? Vous communiquez? C'est tellement mérité, non. Dommage. Enfin bref, et du coup, je te laisse faire le point gold. Hein.
Au niveau des goals, donc 2K goals d'écart au top lane, on l'a. C'est pas qu'on va rester à catch, le reste de l'équipe est loin. On y va, on y va. On va forcer, flash out. La missile qui va être envoyée par Jinx, ça va reconnecter. Le midlaner qui va prendre énormément de dégâts. Weakless qui va récupérer un grand second sur cette arena. Attention, on va avoir le catch sur cette Jinx avec de très bons grabs. Est-ce qu'on peut suivre du côté d'Israël? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'empaler sur cette Jinx? Les énormes shields de la porte font par cette Karma tandis qu'on a la TP. On a la TP de ce Atrox directement au top. Est-ce qu'on peut aller les chercher? On a plus d'ulti du côté du Atrox. Le très bon grab qui va cancel la chaîne. Et est-ce qu'on va aller décider d'aller plus loin? On a plus de la chaîne tandis qu'au mid ça se fight de partout. On a Rumble qui est en train de carboniser ce Wukong. On veut faire un boîte de gold, mais on nous laisse pas, les joueurs ne veulent pas. Leçon numéro 1, on ne parle jamais du Fight Club, hein, mais c'est très très certainement cette game. Et bah du coup, petit point gold, on a un petit moment un peu calme. 2K gold, 8K gold d'avance sur la top lane, c'est terrifiant. Terrifiant, surtout sur un Rumble. Champion qui snowball énormément. Par contre, au niveau de la jungle, malgré le skill qu'il a pris, couvre à peu près les revenus des 5 assists de Django. Donc on est plus ou moins even. Pareil au mid, on a que 400 gold d'avance sur la Karma. Et là où le bas blesse, bah, c'est sur cette botlane. Hein. La Vieri qui met bientôt 2K gold, on est quasiment... on est aux deux tiers d'un mythique d'avance hein, sur cette Jinx. Ça va être difficile de remonter. On y croit, parce que c'est... l'erreur est humaine. Je crois que toute game n'est jamais perdue tant qu'il n'y a pas marqué défaite sur l'écran. Moi je le vois bien remonter, je les vois bien sur un temps faible prendre l'initiative et peut-être prendre un catch sur un joueur serial avec un peu trop de confiance en soi. On l'a rappelle, vu. Je me rappelle à l'époque de la LCSNA, c'était pour Dignitas je crois, les casters disaient tout le temps Dignitas est encore en train de gagner mais jusqu'à ce qu'il perde. Donc, comme quoi tout peut arriver hein, dans League of Legends. Ouais parce que comme on l'a dit, hein, serial a très bien géré son early mais... peut-être qu'ils vont avoir plus de mal en mid. Il faut pas enterrer à Zurix en tout cas, ils vont peut-être avoir plus de mal en mid late game. Mais c'est vrai que cette Zurix fait peur, elle a déjà 2 items. Très très peur. Donc, la terre top va tomber. On veut pousser. Est-ce qu'on a posé cet Herald ou pas encore d'ailleurs? Je n'ai pas fait d'avant. On a toujours cet Herald du côté du Bolivia. Et d'ailleurs, ouais, peut-être qu'on va décider de l'OE, on va le poser. On va agressif cette Orianna. On va passer le permis. Attention à passer le patch. Herald qui va tomber ici, on va passer le permis pour cette Zeri. Le très bon fight. Attention, du coup, il ne fait pas par position, ça va marcher le flash sur cette chocolate, elle va donner. Tandis que Lineage, le Bolivier, il va devoir plus engage avec son ulti. Plus la Trox en flanking. Est-ce que la Trox en flanking peut faire la différence? Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'on peut follow? Il va prendre la fatigue, il va prendre énormément de dégâts, mais il va réussir à revenir. Attention, la Jinx, le poke. La Zeri qui fait énormément de dégâts. On va back pour ce paramètre, elle va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Putain, le même fight à Gold, Gold Even, je pense que Azelix sort largement gagnant du fight. Pas de défense de la part de Azurix. Je l'ai dit, hein, ils ont pas des dernier moment. Faut pas les entrer. Il y a toujours match, ils sont pas là par hasard, ils savent probablement gérer leur temps faible comme toutes les équipes du haut de tableau, on va dire. Donc maintenant, il suffit d'attendre. D'attendre que les golds rentrent dans la poche, qu'on récupère un ou deux items sur cette Jinx, sur cette Orianna, voire même sur ce Wukong. Moi je ne suis pas inquiet pour la suite. Voilà, je pense pas que ce sera un tombe. On est qu'à 5K golds d'écart, c'est pas grand chose. Voilà, ouais, à 20 minutes c'est conséquent, mais c'est pas grand chose. À 30 minutes par exemple, c'est vrai qu'il faut rappeler que l'élo de cette game, pour ceux qui n'étaient pas là à la présentation des équipes, est au niveau Master Diamant. On est sur des gens qui savent jouer. Hein. Mais sur le top 1% de League of Legends, là, mesdames et messieurs, donc on respecte. Oui, ce petit nounours qui sent la viande. Je cherche le petit milieu là. Ils ont faim, les céréales. Et on va ah oui, oh bah oui. Ouais. Ah ouais, on va avoir extend un petit peu. On va avoir la T2. Oh, on a oh non flash. Oh non ouais, il va mourir. Sam n'est pas là pour l'aider. Aïe. Et là c'est dur parce que sur un timing nageur on veut avoir top laner même s'il est derrière, c'est toujours une front lane en plus appréciable. Ah ouais bah là ça va aller tout loin, hein. Je pense qu'il va disparaître avec le Rumble ce coup-ci. Cette Zerie, on va pas devoir gusser nageur, mais très bonne réaction de la part des Azurix, on va quand même réussir à prendre cette thermique qui est importante. On a un flash sur le Wukong. On a pas peur. Le missile de la Jinx qui va connecter, qui va faire un petit peu de dégâts.
n'aura pas l'effet voulu. Multi sur tout le compte. De la part du. Aïe, aïe. Les dégâts vont être colossaux. Le compte qui aura tenté le coup, mais ça va pas passer. Le kill sera récupéré par Weakness ainsi que le Nashor. La Chine, vraiment, à la. Une frame après le smite, c'était vraiment bien tenté de la part de Clint. Respect pour les junglers qui tentent les steals. Il voulait tenter le place pour remonter, c'est pas très grave. On peut. Ça va faire la différence, mais. Bon. Ils peuvent encore. C'est... On va voir ce temps fort Nashor. On va voir ce. Et c'est combien là, 8k gold d'avance? C'est un peu plus, hein. Ouais, on est quasiment à 8k gold d'avance. Autant 5k à 20 minutes c'était rattrapable, autant là ça va être très très compliqué. Ça va être compliqué, mais. C'est un bon team fight. On les a vus sur cette défense tout à l'heure, s'ils s'empalent. On a un item côté Jinx. Attention, avec un deuxième, ça peut aller vite. On est squishy hein, du côté de Serial Gaming. On a que de la résistance magique sur ce Volibear. Quelques auto-attaques dans un fight, quelques lucky crit. Bon, Frodon, n'allez pas trop loin, monsieur Frodon. Il y va. Quand même engage. Il sait qu'il a l'avantage. On a contre un contre ce Rumble grâce à sa régène. Rumble qui n'a pas d'item anti-vol de vie. Il va aller le chercher. Il a pas de flash. Hein. Les deux. Il va tenter. Il joue la sécurité. On a le bac amélioré, hein. Le bac Nashor, ça va aller très vite pour Rumble pour revenir. On va directement sur cette Karma hors position. On va connecter. Oh, elle va réussir à s'en sortir avec ce flash là. T'as un HP. Mais est-ce qu'on va pas laisser ce Volibear et ce Nautilus un peu tout seul? Oh, la Milio qui va prendre ce kill. Le surkill sur cette Karma quand même. Avec la brûlure, le passif de Milio. Et on va aller plus loin. La fatigue qui sera lancée sur ce Wukong. Est-ce qu'on peut continuer? On va full stun. On va intercepter le garde. Ouah, oui, bah c'est bien joué, voilà, il va cramer ses flashs. Et puis QB qui va tomber, et la défense au mid, Azurix qui peut-être vient de sonner la corne de la révolte. La remontada, alors peut-être. Mais bon, CRL, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Ceux qui ont la référence, vous êtes des rois. Only the legend of the ref, mais ouais. Mais oui, moi j'y crois, Azurix. Seria nous a offert un très très beau dernier, mais faut pas craquer sous la pression. Est-ce que le fait de faire du coup de la Magic Resist contre Atrox, Wukong et Jinx, c'est vraiment une si bonne idée? Bon, t'as ce sont pas les catchers sur Wukong, on va stun, on va slow les dégâts colossaux sur un Baniga qui va être lancé, le heal, mais ça suffira pas, Wukong qui va tomber. Dark qui fait des dégâts colossaux, il est en 5-1, il a 2 items. Presque 3. C'est le poke de la Jinx. C'est intéressant. Attention, parce qu'on a Volibear, on a Karma dans le bac. Pas se faire encercler. Les très bons choses trap qui vont faire reculer les CRL. Ah, s'arrêter là. Attention, le grave qui va pas rater à grand chose, c'est Oriana. Et du coup, on a ce Nautilus en position. Il va prendre énormément de dégâts, mais il va s'en sortir. Il a plus de flash, le Nautilus. C'est une cible facile. En cas d'ingage raté, on croque pas l'aftershock. C'est un. Pouf! On va aller chercher cette T2. On n'a plus le Nashor côté CRL. On est en train de faire le pour Rumble. Au moment. Mais deux items aussi sur cette Karma d'ailleurs. Deux items sur la. À peu près tout le monde commence à avoir deux items là. Ouais, on a le visage pi du Volibear à la base, je pense. On a concentration lointaine et malignance sur la Karma. 3 items sur Zadzari, comme tu dis, c'est terrifiant, vraiment. C'est vrai que CRL, malgré son avance au gold, commence à s'épuiser petit à petit, parce que plus le temps passe, plus au final ça a moins en moins d'impact. Parce qu'arrivé à un certain point de la game, tout le monde a un peu 3-4 items, même s'il y a 10 gold des cartes, ça fait plus vraiment la différence. Donc, réussir à accélérer là, il nous reste, on va dire, allez, 5-7 minutes pour tenter une accélération côté CRL avant que l'avantage au gold de cette très bonne early qu'on a fait ne soit, j'ai envie de dire, plus si utile que ça. Et on n'a pas abandonné les drakes du côté Azelix avec ces deux early drakes, du coup on s'interdit pas d'obtenir l'âme. Ça ne permet pas du coup de se battre pour le dragon ancestral dans au moins 3 dragons. Et oui, faire Yental, mais quand même ce Rumble qui fait peur, ce Rumble qui a 3 items, ça y est. Ah ouais, le Rumble est terrifiant, vraiment, concentration lointaine, Crypto Bloom. Le Volibear qui n'est pas vu, le Atrox qui va prendre énormément de dégâts, il va ulti avec la mousse speed, est-ce que ça peut suffire? On va reculer ici, mais plus d'ulti pour ce Atrox, il est mid-life, il va être forcé au back j'imagine. Ou alors il va se réfugier de ce côté, est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
C'est pas plus en vert, comment tu connais qui veut connecter sur le bonnet bien sûr, sur le bonnet laser qui va devenir déjà le cap plein. Le bonnet bien sera également obligé de l'enlever de l'attention et de se rendre qui part un peu trop loin dans la mêlée. Bon, il va réussir à s'enfuir grâce à un très bon flash. Laser à travers le mur qui la poke, le très très bon ulti va suffire. Est-ce que ça va tomber dans les shields et les heals? Non, on va quand même avoir ce kit sur cette vidéo, on va récupérer cette T2. Est-ce qu'on va aller chercher plus loin? Est-ce qu'on peut, on a un ulti? On a encore, est-ce qu'on a encore des ultis? On a plus d'ulti de côté serial. On a plus d'ulti côté Azurix non plus. Très très bien, très très beau teamfight. L'equalizer était incroyable de la part du Rumble. Enfin, tout était incroyable, mais vraiment à la dernière, à la pixel. On est vraiment mort au pixel près pour faire ça. C'est dommage qu'on ait pas eu plus de follow-up sur cette shockwave. Ça aurait pu être décisif. Et petit à petit, les serials qui continuent à gratter. Parce que c'est vrai que là, ils viennent d'entamer. Ils ont déjà 2 T2 d'avance encore. Et ils prennent l'avantage psychologique aussi parce que plus ils gagnent de teamfight, plus ils arrivent à faire ces petites victoires, plus ça impacte un peu plus d'Azurix. Attention, ce catch ici, pas se faire, pas mourir maintenant, surtout pas mourir maintenant. Si on meurt sur le timing Nashor, c'est terrible. Et d'ailleurs, on va aller chercher ce Nashor, on va l'engage directement, on n'a pas peur. Ouais, attention, ce multi, ça pas aller trop loin, il rappelle, il a plus de flash. Premier reset sur cette Jinx, attention, Jinx qui m'a récupéré la reset, on va abandonner le Nashor. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, mais on va les faire reculer. Et ce qui sur ce support, il est important parce que le 4v5, il sera dur à gérer. On a plus notre grosse front lane. On a plus cette force engage que nous offre Nautilus. Et on va pas aller chercher ce Nashor. C'est cool, Drake. Par contre, ce vous, Libir, je parierais sur un petit Sterak. Bon, c'est difficile avec juste un cristal de rubis. Mais ouais, le Sterak, ça peut être pas mal pour gagner un peu de temps, pour faire un vide de fontaine avec le shield. Pourquoi pas? Vous voulez Madame Irma là sur le Sterak là? C'est... Ah, si tu l'as, mais j'ai le futur. Le slow, l'ulti, le Rumble qui va faire des dégâts. C'est Jinx qui va prendre un tir HP. Allez, on récolte juste avant le Drake. On a pas de sum sur cette Jinx, alors qu'on a un Ghost sur la Ziri, attention. Pareil, cool. Ouais, Salka qui a du sang-froid, hein, qui joue à la limite. Il y a un angle. Il profite de l'absence de Status. Oh, on va engager le Drake, côté des céréales. On va pas le contester. Il faut encore le laisser, hein. Il peut s'en passer des choses dans 5 minutes, côté Azadix. Oui. C'est pas le break de l'âme, c'est pas très grave. Ça... Alors ça ouvre la porte à l'âme pour les céréales. Oh, attention, on peut se faire catch. On se touch. Oh, le temps de réaction! Oh là là, je pense que Cleans va aller jouer au loto après cette game. Ah ouais, là, c'est beau. Hein. La goutte de sueur sur le front. Et ça va se fight pour cette T2 bot. Ça va se fight pour cette T2 bot, le pot qui fait des dégâts. Mais ça va prendre un tier life. Il va back. Oh, les pokes de cette karma, la Jinx qui est mid life. Cette Orianna on veut flash, hein. On veut flash kill de la part de Nautilus. L'Equalizer qui est tombé! C'est très bon ulti de ce Rumble. Est-ce que ça va être plus loin? L'équipe Azurixello, la T2 qui va tomber. Ça va s'arrêter là, mais on prend peut-être les deux. Et comme j'ai dit, on gratte. Tant qu'on a l'avantage, on gratte. Et on a presque. On a 6 cagoles d'avance. On va pas se retourner sur le Nashor, du coup. Bientôt le Rabadon validé pour ce Rumble. On pourrait envoyer la Karma en split avec sa TP bot pour essayer de mettre la pression sur l'inhibiteur. Pas besoin de face le A3, ça la joue, elle peut juste escape avec son CMS. J'ai envie qu'on aura un item anti-mi sur cette Kara, le Morello Nomicon qui sera validé. Le Morello Nomicon, je pense pas ça. Si, tout à fait. Si, c'est le Morello Nomicon, tout va bien. Beaucoup de syllabes, hein, mais c'est le bon mot. Oui, non, mais. C'est lui, ouais, genre, on va en chercher pas. Ralentil quoi, hein. Toi qui empêche à prendre des kills. 4 items sur cette Zeri. 2 items d'avant sur cette Zeri. Sur la Zeri, ouais. Sur cette Zeri. HP. Le petit qui fait rampage. Le petit Rumble qui va faire énormément de dégâts sur cette Orianna. Et Orianna qui va tomber. Le approche dans la mêlée. Est-ce qu'il peut faire la différence? Ulti Jinx, on peut aller le chercher. Est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'on peut prendre le shutdown de ce Aatrox avec ce 3ème setbot qui va connecter? Est-ce qu'on peut aller plus loin? La chaîne qui va connecter, mais on va flash out pour cette Karma. Oh là 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 là. Ils se débattent, la Azurix. Ils veulent la gagner, cette première game. Ils veulent dire, malgré le retard, ils sont là. Ils n'ont pas peur.
Un cagole sur ce Atrox, sur le shutdown, sur Weakless. Alors attention, parce que Atrox avec un cagole en... il a remarqué qu'il n'y avait pas trop d'armure en face, donc il a fait l'hydre profane. Enfin, bon item, je pense, dans Zeri et dans Humble. Par contre, bon courage à lui pour l'appliquer, hein, pour arriver au corps à corps. Ouais, tandis qu'on va pas... Du coup, ça a cancel un peu le nachoir pour les deux équipes pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, prochain teamfight, hein, à chaque fois on commence un teamfight, puis on le finit pas complètement, on va pas chercher le full kill, on arrive à disengage à chaque fois du côté des deux équipes, donc on gratte, mais on n'a pas de conclusion réelle. C'est vrai que ça se jauge beaucoup autour de Baron. Est-ce qu'on n'aurait pas la classique, un peu la peur de gagner, la peur de faire une bêtise du côté CRL? Je pense pas, c'est plus le fait que les Azurix jouent très bien défensivement, ils arrivent à avoir à disengage assez bien quand même. Et du coup à chaque fois, en fait, ils ont beaucoup de poke, ils arrivent à prendre un kill au poke, les céréales. Sauf que du coup, bah vu quand tu poke les mecs, bah les mecs sont loin, t'as pas le temps de go in derrière forcément pour aller chercher les autres. Et bah vu qu'ils sont 4v5, les Azurix reculent quoi. Je pense que c'est plus ça. Et tandis que les 1000 gold de Shadow ont fait du bien quand même pour Prodon, parce qu'il va valider son troisième item sur ce Aatrox. Côté Wukong. On a fait l'état de la Banshee, hein, j'ai oublié le nom. La Banshee, létalité, voilà. Moquez-vous de moi dans le chat, je vous autorise. Et le voile nocturne ou un truc comme ça. Merci. Je ne suis pas sûr, hein. Je sais qu'il y a nocturne dans le nom, mais... Ouais, ça me va, moi, le nom me plaît. On va dire que c'est ça. Voilà, c'est bon. Ah, c'est cool, je comprends pas par contre, tu vois, on a fait l'hydro profane et derrière on fait dernier souffle, donc ça veut dire qu'on fait un item qui privilégie les cibles sans armure et derrière on fait dernier souffle sur la troc. Alors qu'on aurait pu faire un Thunder Sky par exemple. Pas très convaincu par le build path là actuellement. Ouais, les bons dégâts sont là quand même. Hein. Donc, bon, attention, le grab qui va pas connecter, c'est peut-être le meilleur augure pour ce Nautilus, mais il va quand même se faire récupérer grâce à Jet Shockwave. Et on a réussi sur Sengin, c'est qu'on va réussir à aller plus loin, ça va contester Nature, la très bonne engage en flanking de ce Wukong qui va permettre de récupérer une kill sur cette Karma. Wukong qui va tomber tous les coups de Dark, tandis qu'Ajing va continuer à faire le travail. Ajing va faire le travail, il va prendre le kill, mais les dégâts sont pour le temps. Les dégâts sont monstrueux sur Rumble, mais ça va pas suffire. Et incroyable, et Azurix qui sont en train de revenir, ils sont en train de le faire. Et ils vont valider Sachor après ce Ace. Le retournement de situation de fou. C'est ça qu'on aime dans League of Legends. Ça se... Il y avait des petits détails, hein. On s'y attendait un peu. On voit que ça clique fort. Hein. Ça clique fort côté Adelix. J'ai vraiment cru que Rumble et les deux carrières, Weakless et Dark, allaient clutch ce fight en se retournant. Parce que les deux font des dégâts de zone, les deux font énormément mal. Mais ça n'a pas suffi. Pas des barres d'HP très longs. Mais quel catch sur ce Nautilus. À chaque fois, le Nautilus qui est un peu hors position. QB qui se fait catch un peu bêtement. Et derrière, ça ouvre la porte en fait. Parce qu'on n'a plus vraiment de front lane, on n'a plus vraiment de gros disengage. Donc, ouais. Mais en tout cas, Azurix qui est en train de remonter et qui a joué Steamfight d'une main de maître. Merci, Kozamel, pour l'Edge of Night. J'apprécie le. Merci. Merci. T'as pas l'oublier. Mais et ouais, et du coup là les Azurix sont revenus à 2 Kagold qui ont un Ashor et qui ont la possibilité de finir. En fait, attention, ce catch sur cette Oriana, est-ce qu'on a un flash, on n'a pas de flash, est-ce qu'on va se faire ce catch, elle va tomber, c'est dur de mourir maintenant, on perd le Naflor, on est en 4v5, on n'a plus cette Oriana en teamfight. Est-ce que sur un sursaut d'orgueil, les Azurix ne sont pas give up cette game, on le flash in autoritaire sur la Jinx qui va connecter. Mais ça, oh, ça ira pas plus loin, il ira pas plus loin, il n'aura pas plus de follow-up, c'est dommage. On avait un très beau grab de PQB. Qui enchaîne les bombes. Sur Volt, il est en flanqué, qui va tout d'un coup dans la tête, prend le très bon sur Rumble, l'Azurix qui va prendre la kill sur cette millionnée. L'Azurix va prendre énormément de dégâts, qui sont en train de tout tomber à part. Ils sont tous extrêmement low, la Jinx va prendre le doublé qui est extrêmement low. Attention dans la front lane sur Atrox, dans la front lane, oh, dans le game en run. Le troisième spell float sur les trois. Et la Jinx derrière qui va faire le travail, on va prendre sur une tête, qu'elle retombe en suppression. Pour Frodo qui avait mal engagé cette game, mais qui est en train de la clutch. Incroyable. Incroyable! Il est en train de nous vendre du rêve sur Atrox! Mais wow, c'est exceptionnel! Quel team fight! On s'est retourné, la Jinx avait 300 HP, le Atrox était au 3 quarts et derrière on sort une masterclass pareil! Incroyable, vraiment! Pas son team fight des Azadix sur cette game, mais t'époustouflante! Hein.
Ils vont faire avoir une crise cardiaque. Game 1, c'est saligo, là. C'est sacré garnement, là. Pour les fans de G2 qui ont dû avoir des PTSD de Atrox, hein. Oh, mais il est en train. Il monte, il est pas fini. Il a un sursaut d'orgueil, ce Atrox, hein. Depuis le build gold de Showdown, il est là. Ah, ça m'a enterré. Ah, c'est comme ça. Eh, vous m'avez trop vite oublié, les mecs. Je vais vous défoncer, vous allez voir. J'ai rien dit sur le Cyril Daprofane, en fait, le mec est grotesque, en fait. Il est juste dans le futur, en fait. Je m'excuse d'avoir douté de l'émission pour Pro. Il va venir chez toi, il va te dire comment ça tu fais une bulle, toi. Oh, l'outil qui va commencer, le saut, le très bon engage. Attention, ça va flash up, est-ce que ça va suffire? On va avoir la plante pour disengage. Ça ira pas pour. Est-ce qu'on va pouvoir la cave? Cette Oriana, elle va réussir un slow, elle va s'en sortir. Mais à quel prix? On a plus de flash pour cette Oriana, on est low. Mais c'est vrai qu'on a plus d'ulti, on a plus de flash pour ce Volibear. Plus de flash pour ce. Enfin, non, il avait déjà pas son flash, le Dark. Il récupère son ulti assez vite, mais c'est vrai que Volibear, du coup, n'a plus vraiment de ressources pour engage facilement. On a fait plaque du mort, hein. Du coup, en 3, pas du tout Sterak. Enfin, on partait pas loin, hein, avec le cadre 8, c'était difficile. Ouais, c'est pas grave. Volibear qui a 3 items, du coup. Vraiment, préfère le café, s'il arrive à s'approcher du coup de cette games. L'avantage d'Early, attention, la verrée qui est un peu loin. Le missile, il y a des cœurs est connecté, mais c'est Wukong qui va récupérer à prendre ce kill. Oh là 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 là, le catch, il fait mal. Est-ce qu'on va aller plus loin? On va aller chercher du côté de ce Wukong, l'ulti qui va. C'est Nautilus, mais il va pouvoir désengager grâce à son grab. Ils sont loin, attention à pas se faire poke, à pas se faire turn. Ils ont faim, les Azure X. Ça y est, ils ont l'avantage, ils le savent. Ils vont aller les chercher. Ah, c'est Al qui a tellement bien joué leur league game. En fait, ils avaient raison, il fallait shut down cette équipe dans leur league game, c'est ce qu'ils ont fait. Mais même avec tout le retard, il va être interlève, attention. Le Voli qui est peut-être un peu long, un très bon ulti drumble pour temporiser, qui va faire beaucoup de dégâts. Oh là 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 là, la game qui est en train d'échapper au Serial. Ils sont en train de voir leurs espoirs pour cette première game s'échapper. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire une masterclass et revenir? Il reviendrait vraiment de très très loin, et si on a trois games comme ça, moi je ne pourrais pas le supporter. Allez, hein. C'est cœur fragile, ça fait longtemps que j'ai pas le cas, vous m'offrez ça, moi, qu'est-ce que j'ai que... En vrai, j'ai envie de dire merci, hein. Moi, vous m'offrez un spectacle comme ça, ça fait plaisir. Attention, le volley agressif. La vitesse de déplacement, grâce à la plaque du mort, grâce à son kill. Essayer de mettre en place un flank, mais on n'a pas d'ulti rumble, attention, on pas engage trop tôt. Le break de l'âme dans 40 secondes, attention, tu ne veux pas aller trop loin, il va faire gagner un go out avec un HP. Et dans ce couloir, on va prendre énormément de dégâts, Wukong qui va prendre le soleil. Il va être full kill. Les deux frontlane qui vont tomber. On n'a plus de frontlane côté Azure X. On a réussi à revenir du côté de Serial. Le 3, le 2 pour 0. Oh là là, mais ils vont nous faire mourir. Ça va être délicat, hein, de survivre pendant deux games. Mon petit cœur là, bon, mes voisins ils vont venir toquer à ma porte. Ils vont venir, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, ah, c'est beau, cette game, elle annonce un BO exceptionnel cette game. Moi je peux dire ça, et du coup ce sera l'âme pour les Serial. Incroyable, peut-être que c'était une escarmouche, hein, de la part de CRL. Les réactions du Volibear qui a bien temporisé le fait qu'on essaye de ramener tout le monde, de forcer peut-être des sorts défensifs de la part de Nathalix. C'est vraiment très 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 bien joué de la part. Dans un corridor comme ça, le Runan de l'Azeri, l'ulti de Rumble, ça fait juste trop mal. Hein. Le tapis rouge. Du coup, on a 4 Drake des vents pour Serial. On va à une vitesse folle. Zeri, c'est flash. Hein. Zeri, c'est juste flash. C'est... Voilà, y a pas de. Attention, ah bah, quand le Bolivien voudra engager, il va engager. On a la vision, voilà, on le voit, hein, la vitesse. Mon dieu. Pas se faire surprendre. Ils sont... ouais, il s'est fait surprendre. Oh ouais, il va se faire catch aussi dur. Il va tenter d'ulti pour faire beaucoup de dégâts. L'ulti de laser directement. Il sera envoyé avec l'ulti sur Rumble. On va prendre beaucoup de dégâts. Le Atrox qui régène. Le Atrox qui se bat. Et le doublé pour cette série. On a plus d'Oriana. Le Atrox qui prend le kill sur Kama. Attention, le Atrox dans la backlane. Le Atrox se flash out. Tu vas permettre de se positionner. Mais il va quand même prendre le kill sur Rumble. Tandis qu'il va tomber. Le Atrox. Est-ce que Pourfrodo est en train de faire la légende? Est-ce que Pourfrodo est en train de faire la légende avec son Sam, avec sa Milio? Oh là 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 là, Pourfrodo qui revient dans cette game et qui est en train de nous offrir un spectacle incroyable. Mais ce build est illégal, monsieur, sur un truc, c'est que ça. Je l'ai jamais vu. Pourfrodo qui est en train de les regarder, qui leur dit: bah écoute mec, tu me tapes c'est bien, mais moi je régène 400 HP par auto, qu'est-ce que tu vas faire? Il est en cosplay à Ragorn, le mec.
Sachant que, genre, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est Rail, ils ont déjà deux items anti-heal, genre. Peut-être qu'on laisse trop ce Aatrox Sleep dans la backlane et qu'on les... Ouais, faut essayer de le one-shot, mais c'est dur, hein. Faut pas le one-shot avec Dix derrière en free DPS. On catch son Kong, mais du coup, on catch pas ce Aatrox, quoi. C'est Aatrox qu'il faut catch, parce que derrière, dès qu'il arrive à setup en surface, il faut être un peu tranquille, bah... Et on va engage ce baron. On va engage ce baron. Non, on va reculer. On va reculer. On respecte. C'est une game qui est déjà à 40 minutes. C'est là que je suis content qu'on ait un vendredi et que j'ai pas couru. Je peux partir. Eh ben écoute, tant mieux, parce que oui, si plus tard, on va pas arriver avec les yeux collés en philo. Moi, vu ce que nous promet, vu ce que nous offre cette première game, je pense qu'on va se coucher tard et c'est pas plus. Oh là là là. Donc, le problème des ligues là, LEC, machin, LCK, tout ça, c'est bien, hein. Mais bon, toutes les games où les mecs ils font pas d'erreur et du coup c'est fini en 25 minutes, c'est bon. À la fin, c'est les G2 qui gagnent. Il n'y a jamais de comeback, quoi. C'est bon. Genre... Là, enfin, il y en a rarement, quoi. En même temps, les mecs sont tellement forts, c'est pas des rares. Ouais. Mais bref, revenons à notre game parce qu'ici, c'est la Watt. Et c'est bien mieux que la LOC, hein, d'accord. Voilà, regardez la Watt, pas la LOC. C'est tout ce que j'ai. Tentative de frappe du côté de l'Adenix. Le volley d'Antma qui va cesser sur cette arène à l'ulti. Tu vas faire des bons crédits. Et tandis que les deux derniers vont prendre énormément de dégâts, est-ce que ce serait pas la fin pour Azurix? Alors qu'ils se sont battus tandis qu'on a pour Prodon qui est très lent. Le survol d'orgueil, mais ça n'aura pas suffi. Et ce sera 4-0 avec les deux catchs. Oh là là, est-ce que ce serait pas une fin de game? Ah, c'est probablement fin de game, ouais. Attends, par contre, je suis pas encore dessus. Mais quand j'ai régène genre 3000 HP sur un Q, et c'est le premier, hein, c'est même pas le dernier. Wouah, le clean ace c'était incroyable. Encore un super catch de la part de Clean, de Jumbo, pardon. Wouah, ce Volibear est terrifiant. Il ne doit pas revoir ce Volibear. C'est rien qui se sera fait peur dans cette première game, mais qui va réussir à conclure. Et la première game ira pour les Serial Crew dans ce BO, dans cette finale des playoffs de la Division 3. Et la première game de zinzin, si je peux me permettre. Première game de zinzin, et comme je le répète, hein, mais elle nous promet un BO de fou. Hein. Moi j'ai hâte de casser la deuxième. Du coup, espérons que Azurix ne give up mental pas, je pense pas. Je pense qu'ils ont faim, ils nous l'ont montré. Espérons qu'ils soignent leur early, qu'ils réussissent à faire des meilleures choses. Et pour ce qui est du côté de Serial Crew, je leur souhaite de nous offrir une aussi belle performance. Hein. Et de pas, et surtout de pas tomber dans le sursaut d'orgueil, de pas se dire bah on a gagné première game, vas-y c'est facile. Après, vu la résistance qu'a offert Azurix, je pense pas, mais voilà. C'est incroyable, vraiment. Très très belle game, mais t'es deux équipes, hein. Deux équipes. Très très clean. Et peut-être avant de partir en pause, est-ce que tu veux élire un petit MVP de la game? Du coup, pour moi, le MVP c'est très 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 largement ce Volibear. Django a été phénoménal, vraiment. Je manque même de superlatif pour décrire sa partie. Ah, je ne peux que être d'accord avec toi. Il était partout en early. Il trouvait toujours la bonne engage, le bon catch en mid-late game sur les teamfights. Ce qui a d'ailleurs permis d'offrir la victoire, hein, ce catch sur cette Orianna. Qui a tellement mal. Il a engagé quasiment tous les teamfights. Alors, enfin, il provoque le snowball du top. Après, il va provoquer le snowball du bot. Après, il prend les objectifs proprement, récupère les void scrubs. On va continuer à mettre au fond ce Aatrox. Et on a bien fait, hein. Vu comme il est revenu, imagine s'il avait eu un dans les games. Donc non, Django, incroyable. Django, il s'est pied. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense qu'on va partir sur une petite pause après cette game haute en couleur. Et on se retrouve tout à l'heure. Des bisous. Thank you.
Et on est de retour, mesdames et messieurs, pour cette Game 2. La Game 1 nous a promis un spectacle exceptionnel. J'espère que la Game 2 tiendra sa promesse. C'est vrai qu'on s'est régalé, hein, Game 1, de partout. On a repassé par à peu près toutes les émotions, je pense. De large domination, petit comeback, gros comeback, contre-comeback, contre-contre-comeback. On aura tout vu. On aura tout vu, tout vécu. Ah mais ouais, mais c'est beau, hein. C'est ça qu'on aime. Hein. Moi, je préfère largement ça que des games one-sided où ça se finit ou en 2-0 à 20 minutes de jeu chacune et où c'est pas marrant, tu vois. Là, il y a du peps, il y a de la tension, il y a du spectacle. Ah ouais, c'est la régalade. Moi, franchement, je me régale devant cette game. Gros niveau des deux côtés, vraiment. Je le redis, hein, mais Div 3, ça rigole pas. On est sur les deux meilleures équipes de la Div 3, du coup. Ouais. Et potentiellement un passage en divide. Je peux que le respect, mais alors, oui, vas-y. Oh, je voulais savoir s'il y a des choses que si tu penses qu'ils allaient modifier leur draft du coup suite. Attends, la régie a tenté de nous dire quelque chose. Il va y avoir un changement de side, on nous annonce très bien. Azurix Blue Side. Ce sera Azurix Blue Side, du coup, qui aura le first pick. On va voir comment ils vont en profiter. Et du coup, tu parlais des changements potentiels dans la draft. Ce Volibear a fait très mal, comme on l'a dit précédemment. D'ailleurs, Django a été élu MVP de la Game 1. Je ne sais pas si le chat est d'accord avec nous. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense en tant que caster. Et je ne pense pas qu'ils vont ban ce Volibear. Je pense qu'ils vont simplement y faire plus attention. Le pick ? À voir. Ou le pic, je sais pas si Klitz joue, je sais pas, il n'a pas l'impression qu'il joue trop des jungles type. C'est vrai qu'il est plus sur Kha'Zix, Nidalee, Viego, c'est ça que tu disais, je crois, en début. Ouais, pas mal de jungle carry. À voir ce qu'il va nous sortir, hein, parce que j'ai pas fait gaffe si Viego était ban ou pas, mais Viego toujours aussi fort, je pense. Peut-être, en tout cas. Mais en fait, tout le monde a fait un très beau taf, hein. Pareil, hein, en soi, si du côté d'Azurix, s'ils avaient gagné la game, j'aurais très certainement soit donné le MVP à Frodon pour son comeback et ses plays exceptionnels, soit à cette Jinx qui nous faisait un très beau travail aussi. Oui. Mais vraiment, ils ont tous contribué à la victoire, c'était beau, il n'y a pas de mec qui a porté les autres. C'est ça qu'on aime, quoi, du côté de Serial. Une victoire d'équipe, ça fait toujours plaisir. Je pense que tu as tout dit, effectivement. Et moi, je pense, du coup, comme tu disais, le pick Volibear, je les vois bien, le first pick, c'est pas un champion qui est très très dur à jouer, je pense. Je pense que c'est un champion qui est difficile à maîtriser, mais pas à jouer, donc on peut peut-être juste le subtiliser pour Serial Crew si on refuse de le ban. Après, je pense pas avoir vu de ban ou de pick Nila, alors qu'on a deux joueurs de Nila, très rare. Et c'est vrai, mais peut-être une botlane plus agressive cette fois-ci du côté des Azurix, parce que la Jinx en lane, ça a du push, ça a du contrôle, j'ai envie de dire, grâce à sa range, mais on a, face à cette Zeri Nautilus, on a un peu été obligé de reculer, tandis que les paris sont lancés. Ça parie pas mal, hein. Ça parie pas mal, c'est les deux équipes. Encore une fois, even, hein. On a les ultras de chaque équipe qui sont là. On a les donner de la voix, donner de la force, encore une fois, pour vos deux équipes. Alors, les drafts pour... Quoi Ah, c'est l'ancienne prédiction. Ah mince. Et je viens de me retrouver amputé de 1000 points de chaîne, là, je suis dépité. Bon, my bad, c'était l'ancienne prédiction, du coup, bah, bien joué à ceux qui ont voté pour Serial. Je crois que tu n'en fais pas partie. Non. Non, je voulais équilibrer un peu les débats pour la cote. Je fais tout. Et on va lancer cette draft, mesdames et messieurs, c'est parti. Ban Aurélion. Ban Assol, ban Darius. Ban classique, hein, encore une fois. On garde un peu les mêmes bans. Ce Maokai, Rakan. J'aimerais bien voir ce Rakan quand même, parce que Rakan, je trouve que ça offre toujours beaucoup de spectacles. C'est un beau champion à cast, oui. Les mêmes bans des deux côtés. Voilà. Talia, la Senna, classique. Et le A, mais t'es trop fort, t'es dans le futur en fait. Ça explique à Volibear pour le subtiliser. Le champion est vraiment trop trop fort actuellement. Il n'y a pas eu d'hésitation, hein. Vraiment, c'est Volibear. Let's go. Ah ouais, je comprends. D'ailleurs, on peut s'offrir une karma encore, mais je sais pas si leur millénaire joue karma. Ça peut ressembler un peu quasiment à l'ancienne draft. Ouais, bah c'est à ce moment-là, ils leur volent leur combo directement. Il y a Zilean d'Open, je sais pas si c'est le support des. Azurix, je crois qu'il le joue. Non, c'est le support de Serial Crew. Il a un très 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 gros Zilean, peut-être l'adapter dans la. Et en tout cas, on va. Et du coup, on va
First pick ce Jarvan du côté de Serial. First pick. Bah, cherche. Premier pick en tout cas. C'est vrai qu'il avait été ban en deuxième rotation. La game d'avant, on veut le sécuriser en amont cette fois. Ouais, vu qu'on n'a pas l'ouverture à Volibear. Je ne sais pas ce que vaut le match-up Volibear-Jarvan. Je ne sais pas qui a quoi comme avantage. Je ne saurais pas te dire, en jungle, je ne connais pas vraiment les match-ups non plus. Parler de cette Karma, encore une fois, c'est vrai qu'elle a fait un gros travail de ping. Hein. Ses shields ont permis de sauver pas mal de teamfights. Et son poke également. Son poke. Karma, c'est grave. Hein. Ça fait tanker tout le monde, ça fait trop mal. Ça a dû... enfin, c'est... ça a tout, genre, ce perso est énervant. Ouais, Karma, quoi. Karma. Moi, je crois que l'une des compos que j'ai pas envie d'affronter, c'est genre Karma mid ou support avec un Cassante. Vraiment, ces deux persos, ils peuvent tout faire. T'es là, tu te dis, bah, vas-y. C'est une bonne réponse, ça, Karma, je pense. Ah ouais? On va réussir. Bon, bah, c'est juste une question de... bah, je pense qu'en lane, elle se fait un petit peu. C'est compliqué. Mais on a le pouvoir de roam que n'a pas forcément la Karma. On a vu dans la game d'avant, la Orianna était vraiment les télés dans la mid lane. On pouvait pas trop roam. C'est vrai qu'on a cette mobilité qui, bah, comme tu le dis, permet de roam plus facilement, également peut-être de dodge plus facilement aussi le poke de cette Karma, qui peut faire la différence. Je viens d'y penser. En 1 contre 1, en tout cas, je pense qu'elle a un petit avantage, notamment à partir du niveau 6 grâce à son ulti. Et le Ez pour Azurix. Oh, ça veut dire qu'on va jouer probablement weak side bot, donc on va essayer de se diriger vers la top lane pour un pick carry. À vos pronostics? Bah, je pense que ce sera Atrox. Hein. Ça peut encore être Atrox, mais bon, je pense pas qu'il va passer la phase de ban. Dark le joue. Prodon le joue. On va voir. Et le TF. Et du coup, ce sera une Karma support. TF de Tenshi. Voilà le bon flex pick. Du coup, attention, parce que TF dans Harry, c'est très difficile. TF ou pour Harry? Pour TF. C'est vraiment très, très dur. Bon. Bah, du coup, quasiment... à l'aise. Ouais, plus quasiment le tuer juste avec ses Lucioles et ses dash. Ah ouais, vraiment le mec est confiant sur son TF quoi. Après, faut pas oublier que du coup les boosts de speed de Karma, la décale de TF, tu peux vite te retrouver avec genre 4 mecs sur ta lane en clignant des yeux. Ah bah oui, il faut qu'il snowball depuis sur les side lanes ce TF. Après, ça reste TF hein, une fois que c'est feed, gold ouais. Card et Q-spell, midlife, merci, bonsoir. Ça me rappelle une game que j'avais cast où genre t'as une équipe, elle avait draft TF, nocturne, c'était un enfer. Ouais. Bah, tu cliquais des yeux, t'avais 5 mecs sur ta lane, t'étais là, mais il n'y avait personne avant. Comment c'est possible? Ah, le ban bien, rumble ouais. Du côté de Zurich, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, mais le rumble de Dark a fait énormément de travail hein, quand même. Le rumble était incroyable. Vraiment, la gestion de la vapeur, même sa gestion de lane était vraiment, c'était à montrer dans toutes les écoles de top laner. Quoi. C'était beau. Et du coup, pas de ban Atrox, mais c'est vrai que Serial a encore un pic. Est-ce que du coup, on va aller chercher ce Atrox? Il le joue, Dark, du coup. Ouais. Après, peut-être Akshan aussi, hein, c'est possible. Hein. On n'a pas de ban Akshan, on n'a pas... C'est vrai qu'on peut avoir Akshan, effectivement. C'est les trois mains, en fait, de, j'ai envie de dire, à part le Rumble, du coup, mais... Sinon, on est assez ouvert du côté de Serial pour le pick de la top lane. On a le last pick et le Zilean. Le Zilean, mais Karma est pick. Ouais. Après, il y a des univers où Karma top, Low Echo, je sais pas. Non, mais Karma top ou Karma ou genre ADC, c'est ça que tu vas me dire. Arrête. Non, pas TF, ADC, pas TF. Michel, soyons sérieux 2 minutes. Si on a un cast sérieux ici, monsieur. Oh. Tu peux m'appeler Juan. C'est pas vrai. Oh, je vais t'appeler Juan, pas le choix. La Tristana. Du coup, je pense que ce serait bien une Karma support, mais du coup, je comprends pas le ban. Ezreal Brom. C'est juste pas quoi ban, je pense. Bon, Ezreal Leona, ça me paraît logique, je pense. Enfin, je sais pas, en vrai. Je dis ça, mais j'en ai aucune idée. Hein. Je bluffe. Ouais. Hein. Je préfère Ezreal Brom, mais après, j'aime pas du tout Leona. Bon, après, Ezreal Atrox, hein, en vrai. Ah, mais ils vont piquer le deuxième de toute façon. Le mec qui suit pas du tout Ezreal Atrox, en vrai, botlane de fou. Là. Pourquoi pas, hein, tout se fait. De toute façon, Kyria finira bien par le jouer, donc voilà. C'est pas faux. C'est pas faux, ça m'étonnerait même pas. Oh, le Blitz. Blitz, c'est fort. Hein. Ça va être Brom, je pense. Non, Leona, ok. Non, Brom, on dodge. Ah, on nous bait, on veut pas nous dire. Ça hésite. Pour moi, c'est Brom dans la draft. Tandis qu'après cette première game, on parie plus sur Serial cette fois-ci. Gros pari sur Serial avec 68% des gens qui pensent que... Moi, j'ai plus Serial avec... une cote à 3 contre 1,5. On a... Je crois qu'il y a genre
un mec qui a parié, ou 2-3 mecs qui ont parié sur Azurix, c'est genre le plus, parce que ça fait 1000 contre 470. Mais de toute façon, moi je le dis sur Twitch, quand il y a des paris, c'est soit all-in, soit tu paries pas. Soit tu bon, là, ce serait Fiora ou Irelia, parce que c'est des matchs qui sont très difficiles pour Aatrox, mais j'y crois pas une seule seconde. Alors, oui. Mais, Kled. Ok. Oh, alors celui-là, il est sorti de nulle part. Mais j'aime bien, parce que on a une vraie engage pour Serial. Hein. TF, Kled, Jarvan... Tristana, c'est genre ils vont leur sauter dessus. Il va falloir bien disengage. Après, on a pas mal de disengage. Hein. Ultiari, le dash d'Ezreal, on peut s'en sortir, mais le catch peut arriver encore plus vite. Ouais, ça va arriver très très vite, comme tu dis, mais c'est dur. Hein. C'est dur, enfin, c'est dur pour Aatrox sur le papier. Après, les clés, on n'en voit pas souvent. Je sais pas si le champion est fort actuellement. Je dis pas qu'il est méta, mais je pense que c'est pas un mauvais pick pour Aatrox, parce que bah, son dash permet de dodge assez facilement le Aatrox et de le reach, et de dodge les sweet spots. Et également, si Aatrox se place mal, il peut sortir de la chaîne assez facilement. Donc je pense que c'est un bon match-up. Après, à faire attention early quand même, parce que vu que t'as beaucoup de CDR au niveau de Kled, si Aatrox joue bien, il peut vite lui faire des dégâts, parce que même niveau 4, Aatrox, ça te lâche déjà des gros trades. J'ai une stat effrayante. Qu'est-ce que quoi? Ce Kled, bon, c'est sur un échantillon de 11 games, mais il a 73% de win rate. Voilà. Oh, c'est le secret OP pick. Non, mais... Oh, Dark qui nous sort son pick, genre vraiment du fond de tiroir, où tu sais que quand il le sort, en général, ça c'est soit c'est genre c'est all-in. Le mec, il est là. En général, il gagne, mais s'il perd, il est au fond et c'est fini. Oh. Ah, j'ai hâte de voir. Ça va être des duels intéressants sur la top lane. Bon, un spectacle. En tout cas, ce BO, ça fait plaisir. Au bot, je pense qu'on sera un peu plus passif encore une fois du côté d'Azurix. Hein. De toute façon, avec Ezreal, on a la range, mais on peut pas vraiment jouer aggro. On a de quoi poke, mais après, l'avantage de range face à Tristana, qui est l'un des ADC early qui a moins de range du jeu. Donc, pour rappel, Tristana, tu gagnes la range avec les niveaux, c'est son passif. Mais du coup, early, t'as très peu de range. Faut faire attention. C'est vrai que ça peut être difficile contre Ezreal. Pas se faire complètement zoner de la wave. J'aime vraiment. Enfin, Leona est un bon pick donc pour le coup. J'aurais bien aimé voir un Brom contre ce TF, vraiment. Après ça, tu peux pas trop pick Brom contre Karma, hein, c'est difficile. J'avoue que moi, la front lane de Azurix, elle fait peur, hein, parce que pour aller les tomber, t'as du Volibear s'il part tank, c'est dur à tomber. T'as de la Leona qui va. Bah, on connaît Leona, hein, dive niveau 2, voilà quoi. Et on a Aatrox qui bah, nous l'a prouvé, Frodon, avec sa régène en 1Q, hein, où le mec régène 3000 HP, je sais pas pourquoi, mais il le régène. Ouais, à voir, attention, cette petite... Mais c'est vrai qu'on a tout... Je dis ça, mais en fait, on a toujours la Karma côté Serial, quoi. Toujours la Karma qui va permettre de disengager et de se mouvoir dans les teamfights de manière efficace. Et c'est vrai que Real Support, on ne voit pas trop le champion. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que Leona était un excellent champion, mais qu'il a très très mal vieilli par rapport aux nouvelles sorties et qu'il est un peu outdated actuellement à Kenor. Bah, le truc c'est que t'as Leona en mieux quand t'as du Nautilus, quoi, par exemple. Exactement. Soit c'est un peu Leona en mieux parce que t'as le même grab, sauf que tu stun et tu grabs sur un seul spell, derrière tu full slow. L'ulti qui, on va dire. Selon l'utilisation, en vrai, les deux se valent, mais voilà. Et pareil, quand t'as des persos comme Rakan qui peuvent juste engage, stun toute une équipe en 0,5 secondes et repartir grâce à un dash sur leur teammate. Ouais, c'est ça, Rael, Rakan, c'est vraiment une autre ligue, hein, je trouve. Après, il y a des habitudes, hein. C'est les habitudes de jouer Leona, je pense, et puis il y a des très très bons joueurs de Leona. C'est ça reste un bon champion quand même, parce que tu te prends un full combo de Leona, tu joues pas pendant 10 ans. Hein. Si la Tristana dodge pas ou quoi, c'est ou même le TF. Après, ils ont de la mobilité. Hein. Côté Serial, va falloir jouer sur cette mobilité. Va falloir jouer sur cette ulti Kled, cette ulti TF, jouer sur ses timings forts. Mais le perso reste fort. Voilà, comme tu dis, sur Akenor, sans Akenor. Oui. Et il buff aussi les attaques de son partenaire, faut pas oublier. Quelle est ta draft préférée, toi, du coup? Je pense que la draft Azurix c'est vraiment plus, on va dire plus équilibré. On a vraiment des champions qui peuvent s'en sortir à tout moment de la game. Je pense que c'est aussi la plus frileuse. J'irais bien du côté Serial Crew du coup avec ce Kled, ce TF vide. C'est des champions que j'aime bien voir perso.
Surtout en termes de macro, c'est là que tu vois les grands joueurs de mid lane et j'ai hâte de voir ce que va nous montrer ce que va nous montrer Tenshi. Et toi, c'est laquelle que tu préfères du coup? Mais qu'est-ce que tu entends par frileuse? Bah Ezreal, Ahri, c'est enfin on va manquer de dégâts. Bons... Bah c'est je crois qu'ils sont bons à tout moment de la game mais du coup qui brillent pas forcément en mid ou late game enfin, en early ou en very late game pardon parce que c'est vrai qu'Ezreal et Ahri sont très forts en mid. Donc à voir vraiment. Après moi le pic Kled me donne envie de route pour Serial Crew. Moi je vais aller du côté d'Azurix personnellement parce que c'est cet avantage de front lane et cet avantage de pas de mobilité de je vais plus mes mots de catch. Voilà, de catch. Et lui, t'arrives. Je trouve que le Leona, Volibear, Aatrox, Ahri, t'as pas cette mobilité comme Serial où tu peux te retrouver d'un coup sur la map à 3 ou 4 avec le boost de speed de Kled, avec son ulti, avec l'ulti TF, avec un gros dash de Jarvan, avec le drapeau, le Q, le flash, le R, enfin voilà, mais t'as ce truc où si tu prends pas la vision dans un bush et que les mecs sont tous là, ils te chopent, t'es mort. Moi, c'est un cauchemar la compo Serial. Imagine cette compo, mais à la place du Jarvan, tu mets le nouveau Skarner là. Le nouveau Skarner avec le buff de MS de Jarvan. Non, j'ai pas du tout vu le nouveau Skarner. J'ai vu un clip des spells où j'ai vu que genre il avait un giga grab et un genre de Charles d'Hérald. Oh, ouais, le champion a l'air terrifiant pour le coup. J'ai hâte de le voir en pro play. Il est sorti ou pas encore? Non, pas encore. Il vient à peine d'arriver sur le PBE. Ah, okay. Ah oui, ok. Parce que moi, ce qui me terrifie, en fait, c'est son genre de triple grab, un peu comme son ulti d'avant, mais qui dure beaucoup moins longtemps. Mais qui me terrifie personnellement. Oui, ça va être quelque chose. Allez, premier entra Q dans la wave, on prend le push. De toute façon, avec Tristana, c'est quasiment obligatoire, donc on assume fièrement côté CRM. Push le 2 et on push la wave. On aura. Est-ce que Dark. Et Dark est resté sur son Ignite. Hein. Et il va faire. Les games, je pense qu'on a un joueur d'Ignite. Hein. En fait, il y a déjà dans le kill intégré, ça fait un spell, ça fait un burst de dégâts en plus. Anyway. En même temps, quand tu penses contre Aatrox, bah, pas déconnant en fait, parce que Aatrox a de la régène gratuite grâce à son E et son R. Oui. Donc, t'as pas le choix, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est pas déconnant. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que Boku, c'est un bon choix. Il le fait deux games d'affilée, donc. Ouais, et puis on l'a vu première game, hein. il sait l'utiliser, il sait en profiter. Et là, ça se respecte déjà un peu plus au top. On n'a pas eu ce gros avantage du passage niveau 2. Ouais, on a respecté la transition niveau 2, effectivement, cette fois, on a fait une attention du côté de Pro. Ah, les erreurs, ça se paye cash à ce niveau. Je pense qu'il a retenu la leçon. On est parti du coup sur un clear de top to bot, peut-être un early gank. Sur cette Ahri avant le niveau 6 pour le Jarvan, peut-être pour sécuriser la lane du TF. On verra. Ouais, on va lui dire qu'il peut-être va se diriger top parce que là on a le push du côté de ce Kled, mais si on pose pas la ward, on peut se faire surprendre. Et il va pas aller la poser du coup, tu vois dans le futur. Passer niveau 3, passer niveau 4, il a un flash. Le ward dans le bush, la double ward, ok. Il a encore son flash, il va flash out. On a pas de chaîne pour la prof, c'est dommage. Alors Karl, c'est bon, donc les deux. Mais on garde flash... le... Oui, vas-y, pardon. Moi, je disais qu'on gardait du coup la frame d'invincibilité si jamais il voulait se faire rego plus tard. Apparemment, donc on décide d'aller chasser le nounours dans la rivière, là. Côté du Kled. On va se faire un décal par un TF en early hein, sur un Jarvan qui, du coup, est allé au top. Vraiment top. Ou l'agressivité de ce Ezreal sur cette Karma, il sait qu'elle est toute seule. De la poke. Mon avis, le gank va se diriger vers quel type de stuff on le gank par la lane. Le gank par la lane. Il est poke. Il attend le dash. Il n'y a plus de dash. Il n'y a plus de dash. 10 secondes de. Enfin, non, 10 secondes de niveau 1, niveau 1. Chaîne. On a voulu en gank. Pour le counter. On a voulu en backup. Pour le 2v2, il est complètement à l'avantage de Volibear. Attention, parce qu'on a quand même ce Aatrox qui est un peu loin, pas 30 dégâts, il va se faire cesser, le deuxième chute, il va pas connecter. Mais la surprise de ce Volibear, le Jarvan qui va être forcé au flash out, est-ce que ça va être un Purple Blood récupéré? On a toujours ce flash-in du côté du Aatrox. Il va être très loin, du coup le flash-in, et ce sera le Purple Blood récupéré pour ce Volibear.
très très beau, bien joué, très beau counter gang. Il était patient. Non, on a le TF qui décale pour empêcher le dive. Le demi-laner qu'on décale, ça va revenir tranquillement sur sa lane. Vince, encore une fois, sur son voli bien. Encore une fois. Tandis qu'au bot, on a le passage niveau 4. Attention. Ouais, le TF qui part sur célérité va probablement faire le Road of Edwin. Ah non, j'ai eu un TF Shurelia, premier item. Est-ce que ça va être la tech Shurelia, premier item au mid? Shurelia? Oui. Faut m'expliquer la tech là, parce que... Comme que Jaja, vraiment... Ah ouais, genre c'est tout le... Ah ouais, c'est ouais, cool, t'as genre... T'es là le premier partout. Tu fais que ça, ouais. Tu donnes un buff de MS à tes collègues, tu décales un CD. On est fait pour ça, du coup ça te bonifie. Plus il y a du mana sur l'item par contre. Il y a de la régène mana. Il va connecter les deux premiers suspects, il va connecter le troisième. Il n'y a plus de monture sur ce cled. Il va tempo ses CD. Il va récupérer la monture. Mais est-ce qu'on va pas la récupérer un peu tôt? Et du coup il va re-engage, il connecte pas le premier suspect. Il rate le deuxième, c'est dommage. On rate un peu le re-engage du côté de Atrox. On a plus le passif du Z sur le cled, c'est le moment de faire quelque chose si on veut y aller. Et on a un petit roaming du TF qui est suivi de près par Harry et Volibear. Ça va le pousser à se retrancher sous sa tour. Il y a quand même Midnight sur ce cled. Il y a quel Midnight, hein, ça peut être très vite top. Oui, non, mais j'ai rien dit, il y a l'établi sur Aphrox, clip de Turin. Oh, le gank, le go-in de oui cette on va connecter sur la Karma avec ce flash-in. Très bon flash-in, on va récupérer skill facile et voilà, Salgué qui va prendre son premier kill dans cette game. Bien joué. Simple et kick. Il s'en sort 2 de KP, 6 minutes, Stormblood. On met bien son ADC, il a fait exactement la même chose la game d'avant. Premier gank top, il a gank bot. Il est en contre Midnight, on va cramer le Ghost sur ce TF, ça va pas aller plus loin. Ok. Non, c'est pas très loin. Icari qui était cliqué en 1 point, en 1v1 pur. Ouais, on est plus Icari, mais on a plus de gosse sur ce TF, donc faire attention à pas se faire catch. On a toujours le flash, mais... C'est le flash, Drake va être engagé par les CRL, et on en a pas parlé, mais je crois que les CRL ont validé un crumb de mémoire. J'ai cru voir l'annonce comme quoi ils avaient kill un crumb, si je m'abuse. On va peut-être checker, il y a une ward si on voit. Attention, monsieur. Allez, faut pas rater le canon. Faut pas rater le canon. Oui. Oh, on est directement la même que tu veux connecter. Non, c'est juste histoire de tenir en respect. Je pense que Frodon, là, il a fin de sa phase de lane de la première game. Je pense qu'il a la région de ses spots, mais il a plus sa chaîne. Ça va connecter tranquillement. Il a pris la plaque d'os, hein. Il y a pris la plaque d'os, attention du coup, on peut être le jeu plus agressif sur la prochaine wave du côté de Dark. Oh. On sent la différence, hein. On sent la différence, ça va full trade. Il va réussir à prendre la mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Il a une occasion de prise du coup, la lane, est-ce qu'il va la saisir? Il sera vraiment en sécurité. Je pense que c'est le choix qui a été fait de la part de Pourfrodon. Une version topside. Bon. De toute façon, il n'y a plus de flash hein, sur cette Leona du coup qui nous a gratifié d'un super flash d'Elite Blade sur la Karma. Ça peut devenir une cible de choix. Et ça fait plaisir parce que Azurix donne moins d'occasions et moins ouverte que la première game. Donc l'early game est plus compliqué pour Serial. Oui. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement. On est un peu plus sérieux, on va dire, plus consciencieux plutôt que sérieux du côté d'Azurix. On laisse moins d'espace, je pense qu'on a peut-être on une dead just led. Ça va aller chercher ce dive sur la tranquillité qui va pas connecter, ça va s'arrêter là, mais on va quand même forcer la fin de le destructeur des mondes sur ce Atrox. Et derrière on perd l'ulti, les deux ultis du côté des deux top laners, du coup si ça reste even comme trade. On a perdu un peu de temps sur le TF qui pourtant n'a pas de retard de CS, donc écoutez, une bonne décale de la part de CL du coup. Ok, encore une fois, ça se bouge, ça se regarde tranquillement, ça attend un peu l'action de l'autre, ça veut pas accélérer trop vite, pas se précipiter, pas s'empaler, j'ai envie de dire. Et donc ici, on vient point item pour l'instant, y a pas trop de plays quoi, donc on a quand même le premier Drake du côté de CLR, hein. On a petite avance au gold de 1k gold grâce aux 2 kills du côté d'Algeric, c'est rien de bien méchant quoi.
On a quand même l'Ignite hein, toujours au top qui peut donner l'avantage, surtout si Aatrox n'a pas d'ulti. On va, ça va essayer de revenir. Hein. Je pense que les deux junglers vont continuer à se retrouver sur la top lane. Il y a les grubs hein, toujours. Sécurisé, dont tu parlais tout à l'heure. On va se retrouver en top lane, je pense. Brutalizer, côté du plaid. D'accord, tandis qu'on va invade en bot side. On va ward, on va prendre l'info. On est à 10 minutes de jeu, est-ce que je pourrais te demander un petit point sur l'économie des deux équipes du coup à la régie? Très agréable. De votre part, on a un léger avantage du coup côté du Aatrox cette fois dans les games et réussi. On a également un petit avantage du côté de Cleans. Bah écoutez, how the table have turned, j'ai envie de vous dire, le top play d'Avenix du coup qui se montre plus menaçant que celui de CRL pour l'instant. Là en fait ça attend l'erreur avant sur la fin de cette early game, ça attend l'erreur qui pourrait donner l'avantage à l'entrée de mid game, qui pourrait changer finalement le cours de la partie. Donc ça veut pas tenter, mais ce manque de prise d'initiative, c'est peut-être du coup la première équipe qui va prendre le pas, qui va avoir l'avantage. Je vais faire preuve d'attentisme, de trop d'attentisme du coup. Et la chaîne de ce clé d'autoritaire sur ce Aatrox, on va aller chercher le trade, la chaîne qui va connecter, mais on va être obligé d'ulti out. C'est sage, je pense que tu as raison, c'était sage de la part du clé de s'enfuir. C'est ça ou la mort. Et on a du coup le R hein, du Aatrox maintenant. Peut-être un échange d'amabilité à prévoir. On va top side, il n'a pas la vision. La destinée, on va tenter le dive, le petit Aatrox, le kick qui va récupérer, bien joué là. On a ce Aatrox qui s'est un peu trop commit, qui a pas suffisamment ward son topside et qui se fait surprendre, on l'avait dit. Hein. L'ulti TF qui permet de changer un cours, le cours du teamfight. Le Jarvan qui essaye d'escroquer une assist avec son flag là, on l'a tous vu. Hein. Du coup ce sera une plate récupérée, on va perdre quand même une belle wave côté de ce Aatrox. Deux plates. C'est dur pour le Aatrox. Ça va mettre bien le Kled là, parce que deux plates récupérées, Kled avec son Z, il aura toutes les plates. On veut du coup tenter un counter dive au bot avec cette Leona. Oh, directement, ça va go in. La Tritana qui va réussir à quoi? Attention parce que le Jarvan était là, et Crysis qui va tomber. Mais on a également ce Jarvan qui va mourir sous les coups de cet Ahri. Le Kikubi qui est très low, le double kill pour cet Ahri. La cleans sur ce Azrael, est-ce que ça va suffire? Oh non, ça commence à être la débandade, on va prendre le kill, on va prendre les 400 gold pour ce TF, le Flushing avec la gold card. Est-ce qu'on va prendre le kill? Oui, le kill. Oh là là, terrible. C'est dur, et du coup les céréales qui sont en train de revenir, voilà, je l'avais dit, on attendait l'erreur. Et là voilà. Là, on a voulu accélérer côté Azurix et on en a profité. C'est très très dur parce que Tristana a buffer son jump pendant l'engage de la Leona et du coup bah, elle s'est retrouvée... tour sans personne pour à 100 personnes à stun la Leona, et du coup elle a pris quelques coups de tour et elle a redonné un reset du coup à la Tristana dans son premier kill et là c'est terminé. Ça s'appelle décal TF sur TF, on va prendre le shutdown à mon avis, quoique on n'a pas les dégâts, le Drake est très la TP de Harry, attention le Jarvan qui va réussir à go out, on va réussir à s'en sortir, mais est-ce que du coup je pense que ça va nous coûter le Drake, il va en bon pile du PRL pour le coup, vraiment bon pile du TF. On a une TP sur ce Aatrox, attention. On a une TP sur l'Aatrox, on a... Après, le club peut toujours être cancel assez facilement avec un grappin. Deuxième sweet spot qui va pas connecter, ça aurait fait très mal. Et je pense qu'on va sécuriser ce Drake assez facilement. Peut-être un style de Jarvan. Peut-être un style de Jarvan. Il était sur ses loups. Ouais. C'était karma en fait. Non mais dans le bush, j'ai mal vu, je pensais que c'était Jarvan. Mais non, c'est karma. C'est complètement karma. Tu vois les gens dans les bush, toi? Ok, mais... Je triche. Je rego-in. Autoritaire de ce plaid. On n'a pas peur. On n'a plus trop go out. Oula. On avait plus les rounds d'engagement. Oui, il va faire Eclipse avec son Bruta. J'ai pas encore tous les items en tête. Comment ça, il va faire Eclipse? C'est toi qui script là. Tu la vois où l'Eclipse? C'est pas avec Brutalizer Eclipse maintenant? Il y a un nouvel item là que Aatrox a fait en premier item, donc je connais absolument pas le nom. Hydroprofane. Oui, je crois que c'est ça, voilà. Ah, c'est peut-être bien ça, ouais. C'est bien la profane.
vrai que ça joue Hydro Cred. Tandis que la T1 bot va tomber. Et ce sera la première tourelle en faveur des céréales. Ouais, c'est bien. Propane vient de faire le Tiamat. Il y a bien un Brutalizer dans l'éclipse. Voilà, j'ai la confiance. Et c'est toi qui as raison. Bien de prendre. Et du coup, les céréales qui ont 3 cagoles d'avance à 15 minutes de jeu. C'est pas mal. Pas mal. Belle activité, beau projet. Là, je peux l'avoir à tomber instantanément. Ça s'est calmé un peu du côté d'Azurix. Hein. Ça sait que c'est en retard maintenant. Ça veut plus s'enfoncer. Ils savent qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont late game, mais est-ce qu'ils ont late game? J'avoue que la compo. Ah, non, late game, ça fait peur quand même. Pas Chourelia hein, sur le TF. Bluden. Et ensuite, ce sera le EFC en 2 pour gagner de la range sur la gold card. On veut one shot hein, côté de ce TF. On veut chercher ce but, j'ai envie de dire un peu assassin. On va sur une gold card, on peut prendre un kill. Attention, on engage directement de ce Gled sur le Aatrox. L'Aatrox qui va porter l'ulti. On a la Tristana et allez, le Aatrox qui va tomber, qui va trop se commis. Ils sont arrivés en Aram au top. On voit pas ça tous les jours. D'habitude, c'est plus la mid lane. La race. Voilà, on double top. Et du coup, récupéré par Tristana, TF en 3-0. Hein. Ah mais TF et ouais, Tristana ont la position inversée en bas, tiens, j'avais pas fait attention. Et attention, on va pas se faire catch s'il n'y a pas les trop loin dans la jungle. On a Tristana pas loin quand même. Blade qui est passé à un cheveu de connecter. Et la T en top qui sera récupérée par cette Tristana. Tristana qui du coup, malgré un seul kill, qui est quand même pure gold. Hein. Elle a récupéré deux tours, les deux T1 au bot, la T en bot, la T au top. Ça va, hein, on se met bien. Ouais, elle est bien nourrie, cette Tristana, elle est très très bien nourrie, et t'en parlais en début de match, la red commence à augmenter, hein, niveau après niveau. Ouais, ça va, c'est niveau 10, il y a encore un peu de temps avant que ce soit broken, mais... Ça approche. Et du coup, on engage au top, on va pas se faire... la chaîne qui va prendre directement, on va aller au corps à corps, Fat Fox. Le troisième skill spot qui va connecter sur ce side, le petit qui va être parti au flash à connecter, ça va suffire, il va aller au multi-con, le Léona qui va connecter, qui va rater le plus petit Kled. Très bien joué, est-ce qu'il peut récupérer sa monture et il va se faire récupérer. Oh, c'est Crysis qui prend le kill, non. C'est close. C'est vraiment close de récupérer la monture. Mais du coup, on va quand même récupérer ce catch. Kled important, c'est pas de shutdown, mais voilà. Et du coup, les rades. Ça va chercher cette T2, cette T1 bot. Il a le permis. L'examen est pas très compliqué non plus. Ah, c'est plus tout droit, hein. Il a passé son examen on va pouvoir en faire route de campagne. Pas de créneau. Oh, le très bon smite ici pour cancel. Bien joué. Était vivant. Une vache qui était sur la route. Voilà. C'est vrai, on en parlait hein, du coup. mais quand même, la tank a récupéré le kill sur ce Kled. Ça fait du bien, même si économiquement, c'est pas une énorme différence, mais ça fait du bien au moral. Ça peut toujours, sur ce genre de petites actions, des fois ça peut tourner une game à son avantage. On reprend confiance. On reprend confiance, effectivement, et on leur colle au masque. On a que 3 kagold de retard. À titre de comparaison, la game d'avant, on était déjà à 6 kagold de retard pour AZX. C'est vrai, et on a un Drake partout. D'ailleurs, attendez, j'ai même pas vu ce serait une âme quoi. Ce serait une âme nuage encore. Nuage, très bien. Ou alors le. C'est l'air bugué en haut à gauche. Shemtek. Non, c'est Shemtek, ouais. T'as raison. Oui. Je t'en regardais en haut à gauche, mais je crois que c'est bugué en ce moment. Oui, non, mais la Shemtek est buggée. Bon, ça fait que deux saisons qu'elle est sortie, quoi. Enfin bref. Rito, please bon, attention, le catch ici, le drapeau qui sera raté pour ce Jarvan, ça va reculer. Tranquille. On sait qu'on n'a pas les ressources pour Azure. Pour l'instant. C'est vrai, pour Poke, un petit peu. On a le Drake qui a spawn, on va le laisser. On va pas le contester. Ouais, faut serrer le coup. Mais de la force, en fait, mec, qui va push. Et est-ce qu'il peut aller prendre cette T2? On n'a pas TP. Oh, directement, Langage. Où ce Clyde, est-ce qu'on sait pas avoir Comid? Au mid, est-ce que ça va connecter? Non, il va pas toucher. Attention, la Léona, l'ulti Jarvan sur cette Ezreal, mais pas pour. Oh, le Drake l'ulti! Là, cette Léona qui va stun 3 personnes, mais ça va pas suffire parce qu'il va tomber. La Léona qui va également tomber, on va aller chercher toute la tourelle. Oh là 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 là! Cette Tristana qui fait un travail incroyable. Le doublé. Et on a pas en 3-0 2 items. On a 3 commis communes et on tombe. Enfin, on va donner un troisième kill quand même. On va parler de la Tristana qui se nourrissait bien depuis tout à l'heure. Et ben, elle est connectée en 2 items. 3-0, shutdown. On va prendre la tour. On est un chip autoritaire.
Ouais, chaud. Là, très autoritaire. Je suis curieux de voir combien de gold elle a d'avance sur son visage de cette Tristana, honnêtement, parce que vraiment, on a deux items complets, alors qu'en face, on a encore une tire qui n'est pas complétée. Je suis même pas sûr qu'on ait la Triforce. Côté Ezreal, ouais, 3K gold d'avance, rien que, enfin 2K gold ennemi, rien que sur la Tristana. C'est quasiment tout l'écart entre les deux équipes. Et 800 gold entre le TF et la Harry. Merci à la régie en tout cas pour sa réactivité. Urus hein, à la régie, faites-lui un gros big up, donnez-lui de la force parce qu'il est là tout le temps. Il nous offre une qualité de stream exceptionnelle. Merci. Tandis que ce 4 directement sur cette Léona, mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin parce qu'il y a du monde derrière, Léona qui est un peu trop loin, elle est low. Bon, on va revenir directement avec l'outil autoritaire de cette arrive, on va aller chercher cette interruption sur cette gamme incroyable, mais moi je l'ai pas vu venir. Oh là là, c'est allé à une vitesse, elle s'est fait des pop. Elle a fait pouf. Elle a fait pouf la karma là, je l'ai pas vu partir. Boum, les dégâts. Houdini, elle s'est pris un buff, Houdini, complètement. Et un shutdown sur le Ezreal du coup. Ouais, ça... non, c'est pas Harry qui a pris. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est Carrie, ça fait plaisir. Ouais, donc, c'est vrai, un des deux, c'est très bien. Waouh! Ouais, c'est vraiment. Je pensais pas du coup, je me suis dit, la Léona se porte un peu trop ses couilles là sur ce move, et finalement, ça. Ah, la Léona en légende, hein. Oh, engage à côté du jungler ennemi, la fin du move, c'est qu'il prenne un kill sur le support. Ouais, non, je... restez. Elle a vu une ouverture que seul peu de supports peuvent voir. Hein. L'œil averti, le numéro 10 de League of Legends, le meneur de jeu. La pizza de Crisis, pardon. C'est-à-dire Crisis comme. Et un peu la vision du coup autour du Nashor. On va commencer à prendre possession des lieux. On va récupérer les clés chez le propriétaire. Et on va s'installer tout simplement autour du boss de la faille. Côté de CRL probablement. Ce mauvais Nashor. Mais c'est vrai que là, du coup, sur ces petits plays là, sur ce genre de petites escarmouches, c'est là-dessus qu'on prend la confiance, comme je dis. Quoi. Et du coup, il rattrape un petit peu plus qu'un cagole d'ennemi de retard. Ça remonte vraiment vite, hein, mine de rien, avec tous les shutdowns maintenant. Vraiment, un teamfight mal géré, on peut limite récupérer parce que 3 cagoles. Il peut vraiment défoncer, c'est un peu catch, attention. C'est Tristan est un peu hors position. Oh, le trade, le dash out. Mais l'outil qui va connecter, va être slow et du coup elle va se faire catch, elle va se faire des pop. Voilà, montrez-lui. Apprenez-lui le respect. Oh là là là, mais ils ont pas fini. Calopsia à la charge. Calopsia qui a faim. Oh, Wickless là, qui a fait preuve de coquiness en auto-attaquant cette Léona. Il voulait buffer le jump, mais il a oublié qu'il y avait deux unités. On est sur ce Jarvan. Est-ce qu'on veut aller sur... Attention, clé dans la backlane. Clé dans la backlane. Alors, ça peut moins aller sur le Aatrox qui n'est pas là. Mais waouh, quoi. C'est vraiment la botlane qui a eu un sursaut de confiance du côté de Serial et qui, finalement, qui a pris une fessée. Ah, je pense que ça va lui remettre les leads en place. Il a vu que le support en face était très très réactif sur ses entraînements de fait. On est très bon quand t'es là, attention sur cette Léona, mais est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Et voilà Ezreal qui va aller le chercher. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de Serial? On est en train de se précipiter. Peut-être pas aller trop loin, pourquoi quand c'est le support je... Oh, ok, une force de caisse, Je risque qui j'espère pouvoir profiter de ses erreurs. On va pouvoir capitaliser là-dessus. La multi-cled qui va peut-être être activée prochainement, là, une tire en deux, il doit avoir la portée au niveau de la mid lane. Je pense qu'ils vont essayer de se battre, hein. Ils vont essayer de le contester, le personnage. Le mieux, alors c'est quand même risqué, attention, le Aatrox dans la backlane, le flash out, mais c'est tout. Ouais, bah allez, va-t'en, rentre chez toi. Et ils ont cancel le Nash, hein, et du coup, ils ont vu la Tristana. Ils ont cancel le Nash, mais ils sont en train d'aller les prendre à part. On a la Tristana qui est complètement isolée, qui, je pense, va mourir. Alors qu'elle se retourne sur le Edric, elle veut faire quelque chose. Salut, voilà. je suis Winnie l'ours. Oh, il est cru. Imagine, elle l'envoie au-dessus, elle dash de l'autre sens. Ah, c'est le plaisir de la nuit. Ah, ça aurait été beau, ça aurait été une escape digne de Soaz, pour ceux qui en rêvent, mais... Ah oui. Mais non. Mais non, et du coup, bah, Azuris qui profite, hein. Qui profite et qui, du coup, reprend de l'avance. Oh, le Carapater qui arrive à tout bien dingue, je crois que c'est un du T-Rex, ça y est. Carapateur qui style le Drake exceptionnel. Ouais, mais il arrivait de nulle part. Mais Jarvan il a envie de camper. Ah, j'ai vu qu'il allait encore mettre le combo là. Oh là 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 là. Mais du coup, ouais, Azurix qui a capitalisé sur ses erreurs et qui revient. Ça
ça fait complètement yo-yo à Kenor, hein, t'as raison, moi si ton message date un peu, j'ai juste de le voir. Ça va d'un sens comme de l'autre, j'ai l'impression d'être au milieu de la partie d'avant, c'est exactement pareil. Back and forth pendant 10-15 minutes là. Et le fait un peu hors position, le bisou qui va pas connecter grâce à ce dash, attention on va connecter le grab. On va aller directement au-dessus de cet Harry, est-ce que c'est pas cette fois-ci l'Harry qui va s'empaler et l'interrupt de 600 gold, qui ira sur ce club, la TP, la destinée du ETF. Et on va aller chercher cette Léona, voilà, on veut revenir, on veut montrer qu'on est toujours là, qu'il faut pas les enterrer. Et là tu vas le Snatchor. Le scénario qu'on fait avec Snatchor, qu'on veut tenter un style, est-ce que ce serait pas trop risqué? Oh oui, on veut tenter le style. Oh oui, il va le tenter le style. Est-ce qu'on est pas en train de gamble la game là-dessus? En-dessus la troisième garde pour le voler. Jarvan est plus là. Jarvan est plus là. Non, le Nashor qui va être récupéré par cette Tristana. Le Karma qui va tomber sous les coups de ce Ezreal. Les dégâts sont colossaux. Mais Clet qui va prendre ce qu'il en a plus qu'Ezreal. Attention, le dashin de cette Tristana. Je pense que la dashin, elle s'est dit que c'était ok, un peu coquille qui y allait là. J'ai eu peur parce que j'ai vu Jarvan sortir complètement du pit du Drake. Je me suis dit, Voli Goin, c'est fini. Genre, il y a plus de. Ah bah Voli à Goin, hein. Voli à Goin. Il a ulti heal, mais il a pas réussi à le voler à Tristana. Il y avait pas de fight. Non, non, il a. Je sais pas, mais la Tristana l'a récupéré. C'est pas grave. Bah, attends, je suis peut-être Voli dans la backlane. Non, il a la vision, ils ont la vision. Bah, et du coup, là, la game est even. La game est even, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir. On a du spectacle. Que deux cagoles d'écart, bah vraiment deux Drake partout. On a que deux Void Grunt, donc même pour le speed push avec TF, ça va être compliqué. On a les ADC qui sont connectés tous les deux là, les deux sont online, hein, trois items des deux côtés. Je viens de réaliser, c'est ça que j'allais dire, que ce Ezreal a 6 kills et presque 9 CSMD. Mais bon, en l'espace de 6 minutes, il a récupéré 5 cagoles, je crois. Mais vraiment. Et là, on avait 3 cagoles d'écart entre lui et Tristana, je me demande à combien on en est actuellement. Il a vendu ses bitcoins. Oh, il est à égalité avec Tristana en termes de gold, c'est fou. Oh, le comeback. Pour rappel, il y a 10 minutes, il avait 10 kagold. Il avait 10 kagold. 3 kagold. Il avait 3 kagold de retard. Ah ouais, les kills avec les Shadowlands qui font du bien. Tandis qu'on prend un feu dans cette jungle avec les plantes. Cette âme technochimique, on rappelle l'âme technochimique qui booste les plantes. Plante de vie, plante de vision, plante de. Les grenades. Le cyclade pour aller chercher sur la Trox qui a peut-être overextend dans ce topside. Il va courir, il va gagner du temps, mais est-ce que ça va suffire? On va le lâcher. On va le lâcher, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on le lâche. On n'investit pas l'ulti, la destinée de PF en tout cas. On poursuit, on le fait partir, mais sans plus quoi. Ah, mais il a claqué l'ulti. En plus, je crois qu'avec la Banshee, du coup, si tu mets le R de TF, il n'est pas dévoilé. Ah bon? Je crois qu'il y a une attaque comme ça avec le voile de la Banshee à l'époque. Je sais pas si c'est revenu sur le Head of Night, on va confirmer. On va pousser pour cette TD. On a plus de TP pour engage, je pense que peut-être on a un combo Jarvan. Y'a pas de flash mais le drapeau directement, ça va pas aller plus. On s'est dit non, on met la pression, on les fait reculer, on les sort de notre jardin, mais c'est tout. On n'est pas parti du tout sur le même build, du coup sur le Volibear de Cleans, contrairement à celui de Django. On est parti sur Iceborne Gauntlet et le vœu du chevalier, on a l'air de se diriger vers un visage spirituel. Là où tout à l'heure Django avait choisi de faire Thunder Sky into Visage Spi et Plaque du Mort. Bah, je pense que c'est des dégâts donc on n'a pas forcément besoin, sauf qu'on a déjà un Atrox Létalité et un Ezreal Mari qui vient dans leur game. Oui, parce que tu as tout à fait raison là-dessus. Et on a la Lich Bane sur le TF. Vous savez ce que ça veut dire, Lich Bane sur un TF? Non. Ça veut dire que les structures elles fondent. Du coup, un TF en split? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça peut être une des solutions. C'est la solution des joueurs moins bons que Tenchi, je pense. Il va nous épater encore une fois avec sa vision de jeu et son talent sur son pic. Mais par contre, je remarque que Aatrox split beaucoup plus, j'ai l'impression, dans cette game. On va pas se faire catch ici avec une Lion Guard, avec l'ulti Clay qui va connecter sur ce Volibear. On va aller poursuivre, on va aller chercher l'ulti out qui est porté par ce Volibear. Mais attention, l'ulti Jarvan dans la mêlée. L'ulti Jarvan dans la mêlée, Volibear va survivre dans la mêlée en train de faire la backlane. Avec la TP exceptionnelle, il va prendre le kit sur cette Tristana. Il va prendre énormément de dégâts, il va se faire tomber par la Karma. Oh, mais là, 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 là. Oh, les dégâts plus qu'un autoritaire sur ce Dashin. Sur cette Karma, il va aller la chercher. À l'ego, hein, il y allait à l'ego ce Ezreal Dashin devant 3 personnes. Pas froid aux yeux et ça paye. Très beau move de la part de Psalka et de Aatrox avec ce énorme flash-in sur Weakless. Non mais la TP de Aatrox dans la backlane qui permet de sauver un peu l'équipe parce que oh, attention, elle va se faire catch ici par cette Ari, elle va se faire tomber. Le kill récupéré par Tenchi.
Oh, attention, Jarvan qui est allé loin, je pense qu'on va mourir. Non, on meurt pas. Si c'est bon, Plasky qui va récupérer le skin. Est-ce qu'on va pouvoir se retourner sur ce Kled, sur ce TF? Il y a le Drake en plus. Est-ce qu'on a les ressources? On a l'ulti, le flash out qui est forcé. Et on va pas aller plus loin. Tout flash sur ce Kled. Oh là. Azurix qui a faim. Azurix qui montre. Ah, il monte les dents, hein. Honnêtement, il monte les dents, Azurix. Il est repassé devant, hein. Ah, pas encore. Non, j'ai louché. Excusez-moi. Dark Gold, c'est pas. On est presque repassé devant. Pour la première fois en deux games. Non, tout à l'heure, il était devant. Ah, autant pour moi, j'ai pas fait confiance. Pas grand chose, mais il était devant. Mais de toute façon, ça reste even, hein. C'est skill à 14, 3 Drake à 2. On a un peu plus de tours du côté de. Ah non, même pas en fait. Si, j'arrive pas. Très serré. Ça dépend au niveau de la. On a pris les 3 T1 du côté céréal. Et on a pris 3 T1 de T2 du côté de Azure. Un petit avantage au gold en termes de structure détruite pour les. Pour le crew des céréales. La short qu'ils ont maintenu au-dessus, la tête au-dessus de l'eau, on va dire, pour les céréales. Mais en tout cas, la game even, et ça fait plaisir, hein. Comme je l'ai dit, la première game nous a promis un grand BO, et la deuxième game ne nous fait pas mentir. Le Kled dans cette backline, attention sur cette Ahri, tandis qu'on a le Aatrox tout seul dans la mêlée, face à l'adversité. On a le backup de Volibear qui va gosse, le Kled qui est tout seul, qui est complètement esselé. Il va pas pouvoir s'en sortir, et la go directement de cette Leona. Est-ce qu'on a un ulti? Est-ce qu'on a une invocation solaire? Non, c'est grave pas plus loin, mais le Kled l'interrupt sur ce Aatrox. Il a disparu et il a donné 1000 balles, enfin 700 balles au Aatrox là. Qui n'en a pas besoin, je pense. L'idée était pas mauvaise, mais le zoning du Aatrox a permis de empêcher le follow-up. Et du coup, ce sera un Ashore un peu gratuit. Est-ce qu'on veut tenter le fight? On veut tenter ce style de joueur. Non, on est spoté. Attention, la chaîne qui va pas connecter, c'est dommage. La destinée qui va spot toute l'équipe des Azurix. Regarde, tu vois le TF Split, on en parlait. Hein. Le TF Split, ça peut être une wincon. Prodon qui va aller chercher Snashore, mais il va se faire récupérer. Kaloxa qui va prendre le kill. Il faut aller défendre au doigt de ça et maintenant. On a le bac de Frodon. Tenu en respect cette Tristana. Les deux qui tombent aux mains du TF qui récupère donc la prime. Recall. Quel item maintenant pour citer cette T2, mais à quel prix cette T2, mon ami, à quel prix? Un gros vert luisant tout violet là. C'était le prix. Et ainsi qu'un Jarvan. Et un Jarvan qui passait par là, le prince de Demacia. Qui s'est fait broyer par Azurix. On a des junglers qui ont pas trop vu. Hein. Les junglers, à chaque fois, ils tentent le style Nashor. C'est beau. Ça oui, ça y va. On n'a pas vu encore de style, mais ça se trouve, c'est pas fini. Inamim. Ok. Ok, Elvis. Mais en tout cas, pour l'instant, ça avance petit à petit du côté d'Azurix. Ça veut utiliser Snashor à bon escient. On voit, ça va jouer classique 4-1. Tandis qu'on a Kled, hein, top side, qui va aller chercher cette T2 en side. On répond avant, on continue. Du coup, je pense que la wincon des. L'Azurix est définitivement devenu le split push. On voit qu'on n'arrive plus à gagner les teamfights. On se pique. On va, du coup, on va essayer de mettre de la pression sur les lanes au fur et à mesure. Alors que non, on va trade de toute façon T2 top contre T2 bot. Peut-être qu'il continue, on lui a dit de continuer. On va trade les inhibes, hein. On va trade les inhibes, je pense, côté de Azurix. Il va back, il va y avoir pas plus loin ce Kled. Est-ce qu'on veut pas aller plus loin? Est-ce qu'on veut pas tenter le backdoor? On va perdre 2 T3, hein. On va peut-être perdre 2 inhibes. Il a back, hein. On va R. Le R, peut-être. Le poke sur ce Volibear qui va être mis là pour le dash-in autoritaire. Le très bon dash-out incroyable, le travail ici de notre Samcash pour être réel, mais on va se faire un game directement par le Kled. Le Voli qui va être obligé de ulti-out. Le Kled fonctionne dans la backlane. Est-ce qu'il va réussir à récupérer Ezreal? L'ulti solar pour temporiser. Attention, la tranquille, un énorme travail. Le flash-in sur cette Karma, tandis que Kled va tomber sous les coups énergétiques de ce Ezreal. Et la Tristana qui va se faire catcher Vikings pour Chico être un flash-out. Le Jarvan qui va donner du temps à son ADC, mais qui va sacrifier. Et les Azurix qui feront de terminer cette deuxième game et qui le pense. Allez, on le flashing pour aller chercher le step encore une fois et c'est fini. C'est la game. Azurix prouve et du coup dans ce BO, dans cette finale, on aura une game 3.
Game 3, mesdames et messieurs, entre Asdor et Serial Crew. Incroyable dénouement de la partie, encore une fois, on était passé devant assez rapidement du côté de Serial Crew, mais la macro et la gestion des lanes de Asdorix auront permis à cette équipe de prendre une game du coup et de revenir à égalité dans ce magnifique BO3. Très très belle performance des deux équipes. Mais oui, du coup, ce BO il est exceptionnel. Ce BO il est incroyable. Moi je. Oh, s'il me vend du rêve! Ah ouais, vraiment! Mais je suis heureux! C'est très beau BO. En tant que caster, c'est tellement kiffant de caster des matchs comme ça. C'est, genre, il nous offre, c'est even, il y a des rebondissements. On s'ennuie pas, ça c'est sûr. Honnêtement, le niveau est très élevé et ouais, encore une fois, on a tout vécu! Je dirais pas dire que c'est meilleur que le Seigneur des Anneaux, mais pas loin, quoi. N'exagérons rien. Mais, quand même, mais dans mon bingo, du coup, il manque un style Nash. Hein. T'en parlais, il manque un style d'objectif. Mais on y croit pour la troisième game. Est-ce que la troisième game se jouera sur un petit Nash? Ce serait beau quand même. Et petit MVP peut-être de cette game, à ton avis? Pour moi, le MVP, c'est. J'ai envie de dire le Ezreal. Hein. Le Ezreal a été astro. Énormissime. Absalka sur son Ezreal, il a été monstrueux. Hein. Le spacing, le placement, l'agressivité, tout. Même le play, là, en fin de, juste avant la fin. Ah ouais, Dashin pour flash out et bait le Kled. Okay. Et puis il le met au milieu de son équipe, c'est génial. Mais le mec est trop fort. Il a tout appris à Gouma. N'exagérons rien de nouveau. si, c'est marqué dans sa bio Discord. C'est moi okay. Qui ai appris à. Gouma, voilà, c'est chouette. Ah bah, si, c'est marqué dans la bio Discord. En tout cas, mesdames et messieurs, on va aller en pause pour se préparer, pour se reposer avant cette troisième game qui risque d'être légendaire.
Et nous revoilà, mesdames et messieurs, nous revoilà après cette game de haute en couleur, après cette game 1 avec plein de rebondissements. On est parti pour cette game 3, la game de tous les sacrifices, la game de tous les clutches avec mon ami Caster. Est-ce que t'as hâte? J'ai hâte, je ne tiens plus en place, j'ai hâte que nous soyons déjà à la draft et dans la game vraiment. Les deux équipes qui proposent un spectacle vraiment de qualité, on est sur. Deux équipes qui sont vraiment even en termes de skill. On a un très très gros niveau micro macro des deux équipes et des picks qui sortent de l'ordinaire. J'ai hâte de continuer à cast cette game. Voilà, j'ai hâte de savoir qui va aller en finale pour affronter, enfin qui va aller pardon en up and down pour affronter les Belgiens de Banter Clowns. Et est-ce que ces derniers vont réussir à sécuriser leur place en Div 2 ou est-ce que le vainqueur de la finale s'en emparera? Vraiment tant de questions en suspens. J'ai hâte. De questions en suspense, c'est surtout que là on a c'est win or go home, hein, c'est game 3, et en plus de ça, Zurich qui rentre dans cette game 3 avec quand même l'avantage au mental, l'avantage à la confiance avec cette victoire. Très très belle victoire. Ils sont montés en puissance à Zurich, hein. Depuis la game 1, vraiment c'est impressionnant. Le changement des joueurs, tant qu'ils sont bien en chauffe, c'est devenu une vraie machine. Un vrai rouleau compresseur sur la fin de la game 2. Alors comment est-ce qu'on va reprendre la game 3? Est-ce qu'on va faire une draft plus agressive en early? Je sais pas. Ou peut-être un Renekton, des Lee Sin, des Xin-Zao, pourquoi pas enflammer la paille? Déjà, à mon avis, on va Banaprox. Je pense qu'il faut Banaprox derrière. Ou alors on va le pick, mais faut l'enlever des mains pour Prodon, parce que là, il a une régularité sur son Aatrox, il est incroyable. Même en 0-4, hein. Même en partant de 0-4. Mais que ce soit la première ou la deuxième game, il fait un travail dans la backlane qui est monstrueux. Et même en split push, là, il nous l'a montré, hein, il était efficace. Hein. Très, très, très efficace. Ouais, il a sécurisé par exemple T2. Mais la game d'avant, il avait fait la même chose, je crois. Mais il apporte le danger constamment sur sa lane, sur les autres, en TP. On pense à cet énorme TP au niveau du dragon tout à l'heure, par exemple. Pour retourner le teamfight, exceptionnel, même si le héros de la game 2, ça reste quand même Salka avec son Ezreal qui était impérial. Ouais, il partait de loin en plus. Hein. Il partait de loin. Il n'y a rien de plus à dire, le mec est juste trop fort sur le champion. D'ailleurs, je pense qu'il y a des chances qu'il le banne aussi, tandis que, en parlant de ban, on va partir pour cette draft. Et le Darius. Changer de side, du coup. Ezreal Crew en blue side. Est-ce qu'on va encore first pick ce Volibear? Est-ce qu'on va partir sur les mêmes picks et ban? Est-ce qu'on va encore répondre à ce first pick Volibear par une karma? Tant de questions! Pour l'instant, en tout cas, on reste sur les mêmes bans, du Hassel, du Maokai côté Azurix, du Darius, du Talia, côté Serial. On réfléchit. Hein. Le Rakan. Toujours le Rakan. On n'aura pas de Rakan, on n'aura pas de Senna, du coup. Pour ma plus grande tristesse. Senna. On aura ban. Trois fois les mêmes champions en phase 1 pour les deux équipes. Ouais, les trois mêmes bans, hein, à chaque fois. On a peur. Et du coup, le Volibear, encore une fois. Volibear en first pick, cette fois pour Django. Ouh, la réponse instantanée, Arrivi. Il y a du pick-up. Donc, on a confiance sur cet Ari. En même temps, ce qu'il nous a montré avec sa Ari Calopsia, c'était assez beau. Hein. Il nous a montré une belle agressivité, un sens du mouvement, du déplacement. Il dansait de la salsa au milieu des adversaires. C'était beau. En plus, j'avais anticipé une phase de lane difficile pour le TF. En fait, c'était assez even. Et je pense que j'ai raté quelques patchs parce que ça avait l'air difficile quand même. À tenir en lane, donc il a vraiment tenu son rang sur Sahari, il a fait les
Oh, la draft qui change complètement là. Sylas, Vigo, côté céréal, on joue agressif. Hein. On a faim. Hein. Sylas, Vigo. La Lila. Oh, la game 3 de fou. Il est tombé par terre quand ils ont piqué Nila. Ah, j'adore ce champion. Tu adores ce champion. En même temps, c'est une bonne réponse à Vigo, je pense. Parce que Vigo met pas mal d'auto-attaque quand même. Et son R compte comme une auto-attaque, donc elle peut le dodge avec son. Non. Ah bon? Je trouve une game. Non, c'est vrai. Ouais. Ça marche aussi avec le E de Jax. Du coup, il prend pas les dégâts sur l'ulti de Vigo. What the fuck? Ouais, c'est Rito. C'est volontaire, mais je sais pas pourquoi. Ça ressemble pas, ça ressemble pas beaucoup à une auto, excuse-moi, mais je m'avance un petit peu. Mais ah, et le panel, ça, du coup. Ok, intéressant. Mais du coup, ouais, des drafts, à part Voliari, pour l'instant, on a complètement changé de. Et le Banatrox. Voilà, j'en parlais. Ouais, Banatrox, pour Frodon, qui va devoir faire, enfin, nous montrer ce qu'il sait faire sur un autre champion. Et j'ai hâte de voir un match-up inédit en top lane, du coup. Et c'est vrai que bah là, du coup, le pic d'Azurix pour la top lane, ce serait potentiellement un Malphite qui a été pas mal joué par pour Frodon. Surtout qu'on n'a pas de gros tank pour l'instant, vu qu'on est une vie. Alors, vie, ça tank un peu, mais c'est surtout pour engage. Et une engage vie, Malphite, ça fait peur quand même. Je pense qu'on va la speak, ce Après, Malphite. Ah, pas sûr, parce qu'il y a quand même Sylas. Ah, c'est vrai qu'il y a Sylas, du coup, ouais, ça, on interdit le pic Malphite. La draft est vraiment bien réalisée de la part de Seralco. Rumble. Ramblu en blind pick pour Frodon. Pour Frodon, oui, pour Frodon. En fait, j'allais dire jungle, mais non, il y a vie. Okay. Normalement, à moins que ce soit Rumble support. Rumble support, c'est. Connerie encore. Ça existe vraiment. Parce en que général, c'est plutôt joué dans Rakan. C'est joué dans Rakan. La Karma Top, à la limite, je l'acceptais, mais là, monsieur, Rumble support. Ah non, mais Rumble. Non, mais je. Non, mais attendez, monsieur. Mais vous fumez. Mais ça... Non, le pic existe, le pic existe. Il a déjà j'ai été sorti. J'ai jamais vu de Rumble support de ma vie. Je crois que c'est, bah, je crois que c'est Carrier. C'est le, ouais, ouais, bah, une de mes carrières compte pas. Ouais, c'est okay. Ça. Il l'a joué. Allez, je joue des Caitlyn support, s'il te plaît. Il l'a joué il y a 3-4 jours. Et j'ai appris aujourd'hui que c'était une réponse d'Orakan. Hein. Je sors pas cette info de nulle part. Mm-hmm. Séraphine, Sylas, Viegos. Et il manque de frontline leur compo à Serial quand même. Oh, j'ai très chaud là. Avec Camille, et du coup, t'aurais raison. Non, je pense qu'il switch entre les supports. Je pense que ce sera bien Rumble top. Après, je crois que c'est Rumble, leur support que j'avais vu qu'il jouait Camille. Rumble, oui, non, mais il joue Camille, à mon avis. C'est quand il doit être. Quand il doit pas être support en ranked, je pense. Voilà un pick qui va faire plaisir. À la limite, Akenor qui va être heureux pour ce pick réel pour Azurix pour la game 3 de la finale de la Div 3. J'ai dit deux fois Div 3 de la boîte venture. La boîte venture. Mais du coup, ouais, la pick Camille, faut pas déconner. Le Rumble, je peux l'accepter, le Camille, faut arrêter. Mais du coup, on a quand même un Sylas qui a des bons ultis hein, à voler là, entre cette ulti vie, cette ulti Rumble, même cette ulti REL. Hein. Parce que Sylas, il prend l'ulti REL, il colle ses chaînes dans la mêlée, il l'ulti REL. Et oui. Ça peut être. Ouais, ah oui, ça va être. Je pense que échauffe-toi bien les cordes vocales parce que ça va être une belle game là. C'est parti, c'est bon, je suis prêt. Je suis chaud. T'es dégarti, là. Les chaussettes de l'archi du ciel, ce sont elles sèches. Et ouais, par contre, le match-up top, Volibear Rumble, aucune idée comment ça va se passer. Honnêtement, parce que Volibear atomise Rumble, mais atomise. Bah, je pense aussi, mais j'avoue que Rumble, c'est pas un champion que je joue. Volibear non plus. Et je les croise assez rarement en lane, donc j'admets que. Ah ouais, non, Volibear, que... c'est n'importe quoi. Bah, il y a une tech quand tu joues contre Volibear au top, c'est tu prends bouclier de Doran. Bon, je pense pas que tu prends bouclier de Doran sur Rumble, mais tu prends bouclier de Doran, et en fait, vu que Volibear, vous savez, son passif quand il stack, ça met des petits coups de foot dans la wave, et ça te touche, mais vu que ça fait genre 10 de dégâts. Et que le passif du Doran te régène 40 HP quand tu te fais hit, bah ça te permet de régène plus fort en fait. C'est un petit trick voilà, que je vous donne gratuitement. À la Watt, on donne aussi des tutos. La minute. Mais du coup, moi, je suis content quand même de la draft CRL parce que autant il manque de frontline, mais autant elle offre du spectacle. Et on peut voter, hein, n'hésitez pas à aller faire les paris sur le vainqueur de la Game 3 et donc du match. On est à 49 à 51% sur cette game. Les cotes sont similaires.
Qu'est-ce que tu penses, toi, des deux drafts là, de la draft sérielle et de la draft à Zurich, c'est un peu là. Je pense que c'est les vrais drafts de Game 3. Ah, ça va être un capharnaüm en combat. Ça va être un truc de fou, vraiment. Des drafts de random bullshit, let's go. Ah ouais, bah déjà la Lin Vein niveau 1, obligé. Je Ah ne bah sais pas là. pourquoi, ça va commencer au bisou Mais pour là, Harry. mais c'est ça, mais le truc c'est que genre il y a tellement de possibilités de dinguerie dans les teamfights entre les ulti Rell, les ulti Vi, ulti Rumble du côté d'Azurix, pareil un Viego ou un Sylas en flanque, ou un rappel de plume colossal sur la Xayah, enfin, C'est tellement vrai. de possibilités de rebondissement improbables que. D'ailleurs, de mon point de vue, je crois que Sylas, c'est un match-up extrêmement difficile pour Harry. Donc, Oui, attention. parce que si là sur Lee, t'as pas énormément de dégâts et tu galères contre les ranges. Vraiment, si là se galère contre les ranges en early. Après, ça J'aurais va dit parce que. l'inverse. Moi, je pense qu'au bout de peut-être niveau 6, je pense que Sylas a un ascendant Oui. assez. Non, c'est ça. Après, à partir du niveau 6, ça va encore parce qu'il a commencé à avoir des HP. Et il a, bah, surtout contre Harry, il peut voler l'ulti Harry, du coup, il peut la follow. Mais en fait, le problème, c'est que vu qu'il a pas mal de CDR, je crois, sur son grab. Bah, pour Reach, c'est compliqué, surtout à travers la wave au début. Vu que t'as pas beaucoup de wave clear, c'est compliqué. C'est vrai. Et en plus, Harry, qui avec son Z peut faire plus mal sur ses autos, enfin, il a le poke facile quoi. Donc, après, avant ce que ça va donner, on a aussi Vi hein, qui peut surprendre. Hein, parce que Vi, ça, vu que ça a une grosse portée sur son Q, tu peux vite arriver sur une lane et surprendre. Casse l'armure, bon, après il n'aura pas forcément énormément en face, mais faut pas négliger cet impact. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est Azurix qui a opté pour une botlane agressive, un Nidalee. Ça veut chercher le contact, ça veut chercher la bagarre. Ah, c'est la castagne. Hein. Là, il n'y a pas un champion qui a été. En botlane, il n'y a pas un champion en toute la saison 10. Hein. Plus quand est C'est sorti vrai. Xayah, mais je crois que c'est le plus ancien des quatre. Oui, complètement. Complètement, complètement. Et après, bah top, comme j'ai dit, hein, je connais pas trop bien le match-up, mais je pense que Volibear, grâce à son shield, son Q, tout ça, il peut commit assez facilement le Rumble. Mais Ok. Rumble, faut pas. Le truc, c'est que Rumble, ça fait mal early. Mais le shield plus les régènes de Voli, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai une stat effrayante. Encore? C'est quoi? C'est il a 80% de win rate sur son Voli, c'est ça? Non, c'est que Xayah est sorti il y a 7 ans. Vieux. Ça fait très très mal. Oh, je dis ça, je ne jouais pas quand Xayah est sorti du coup, mais bah tiens, c'était qui donne les champions à être sorti quand t'as commencé à jouer, tiens. je serais pas, je crois que c'est soit Viego, soit bah, Séraphine, parce que je suis arrivé fin de saison 11. D'accord, ok. Je suis arrivé novembre saison 11. Enfin, je vais dire un Donc, truc qui fait mal, mais moi, le champion, c'était Talon. pas un champion sorti au début du jeu, ça. Talon est sorti, je vais te dire ça tout de suite, en 2011, il y a 13 ans. Oh, oh, ça fait mal. Et donc ravagé par League of Legends depuis des années. Oui. Je ne sors jamais de ma maison sans ma pink ward. Tu sors jamais de ta maison tout court, à vous Ah si. Oh, la régie qui vient la de me régie qui vient de calmer. nous calmer. La Urus qui vient de nous dire c'est moi le papa, calmez-vous les jeunes. Voilà, petite info sur Urus, il a joué depuis la bêta. Ah ouais, non, là c'est trop pour moi. Je ne savais même pas qu'il y a eu une bêta sur LoL. Ah Alors, si, tu me diras, si. ça paraît logique comme tous les jeux, mais. Ils sont pas beaucoup. Il y avait la question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait la boîte avec le CD ou est-ce qu'il l'avait téléchargé? Voilà. Il y avait un CD de League of Legends. Ah ouais, la folie. Il y Tous avait les un CD League skins. of Legends. Eh oui! Waouh! Quelle info de fou! Ah non, mais là, ça doit valoir une petite fortune, ça. À tout moment, il a croisé des légendes en game, nous on n'est même pas au courant. Ah Si ça bah, se trouve, il était là au premier World, quand Fnatic a gagné, quand l'Europe a gagné son seul et unique titre de champion du monde. le championnat du monde d'Europe, ouais, le fameux. Je crois Non, qu'il y il y avait avait quand les même les NA. NA. Ouais, bon, ouais. Il y avait les NA. Ouais, il y avait personne, quoi. Il y avait pas les monstres, quoi. Il n'y avait pas les mecs forts au jeu, genre. Le TSM. Ils sont où? Ils sont finis TSM, non? Ils sont vendus?
Bon, je suis pas du tout les NA parce que j'aime garder la vue, donc je sais pas. Mais Moi j'ai regardé un peu les. Franchement, il y a des moments légendaires en NA. Hein. Je comprends pas les joueurs européens et les joueurs chinois et coréens qui partent en NA. Hein. À part ceux en fin de carrière qui veulent faire un peu de thunes parce que les NA lâchent des salaires astronomiques, mais sinon je comprends pas. L'argent. La moula. Non, mais voilà, si tu sais que t'as fait un peu tout, t'as un peu tout gagné dans ta vie, que t'as un peu fait le tour, que ça fait genre 10 ans que t'es sur la scène quoi, ou un peu moins, mais genre 7-8 ans, c'est déjà bien pour un joueur e-sport. Oui, je peux comprendre, tu vois, tu sauvegardes un peu tu prépares un peu pour la suite, mais quand je vois des joueurs un peu jeunes qui partent en NA, je comprends pas. On est dans la game! Ça y est! Let's go! La game 3, mesdames et messieurs, est lancée, la game décisive pour cette finale! Allez. Est-ce qu'on a une vade? Un niveau 1 de légende, s'il vous plaît. Un niveau 1 où ça lâche un ace et genre ça roule sur la game derrière. Ah, ça a l'air de se diriger encore une fois vers une cover classique. On aura eu 0 invade du coup dans les trois premières games. Et par contre, on a gardé l'ignite du côté de. Ah non, c'est cette fois-ci c'est Frodon qui prend l'ignite et du coup on n'aura pas d'ignite côté Dark cette fois-ci. Ah, intéressant. Du coup, c'est. Match. Et du Ouais. Volibear top face à Rumble. Du coup, vraiment, je pense que le match-up est très très orienté Volibear. Je pense que c'est même le cas quasiment tout le long de la game. Tout le long de la game, peut-être pas, parce que en 1 contre 1, oui. Oui, en pur 1v1, je parle. Mais, ouais. Oui, en pur 1v1, oui, parce que Volibear a plus de choses, a plus d'outils pour 1 contre 1 que Rumble. Surtout face à un perso un peu de tank. Ça aurait été contre un Squishy, ça irait. Oui, directement. L'agressivité. Un peu de respect. Au mid aussi. Attention. On jouait Airy, hein. On jouait Airy sur la Airy, du coup. Je vois qu'ici, quand même. Ce qu'on veut voir. Commence les deux junglers qui vont se retrouver au carapateur top 5, normalement à 3 minutes. Vers 4 minutes. On a commencé tous les deux du bot side. Directement l'engage. Est-ce qu'on va avoir solo kill niveau 1? Non. Ah, c'est un lane à solo kill, je pense. Hein. Cette mid-lane, faudra vraiment la surveiller de très très près. Voilà, ça. On a un match-up qui nous promet. Bah, c'est des BZ. De toute façon, les deux vont avoir l'ulti, ça va être. Ouais, non, mais ça va être quelque chose. Les portes behind your back. Bah, ça va être. Oh, les dégâts de Rumble. Pour Frodon qui est en train de nous. Je pense que pour Frodon, il s'est fait fumer game 1. Il a dit ah, ça veut jouer comme ça, pas de soucis, je vais vous fumer un par un. Ouais, je pense qu'il a une rage de vin, cet homme. Et là, je suis en train de passer pour un idiot. Il est devenu. Il est en train de le cramer. Mais le flashing, il est là, il est là. Solo kill à 2 minutes 48 de jeu pour Frodon qui est en train d'imposer son respect en top lane. Et je ne peux que respecter ça. Oh, c'est terrible. Terrible Frodon qui sera passé par tous les états. Hein. Oh la leçon. Waouh. Oh la leçon. On était là à dire c'est bon, c'est fini, Rumble va se faire fumer. Bah franchement, je vais m'étouffer derrière, je vais m'attacher la bouche et je ne prononcerai plus jamais le moindre mot. On a quand même un bon poke, hein. On a quand même l'avantage de cette range hein, qui permet à Serial de poke un petit peu quoi, de minimiser le langage de la botlane Azurix. Ouais, mais les deux qui Dorel et Nila vont faire la même chose en fait, ils vont capter pour utiliser de faire le shockwave là. Oui, sans doute que Viego, on est obligé de dash out, sur le rappel de plume qui va route cette Nila, l'arrière qui va dash in, elle va redash out, grâce à Serial. Au top, ça s'est battu pour le carapateur, mais ce sera Viego qui va le récupérer. Le Viego. Ah oui, non, ok. J'ai envie de me dire, mais la Seraphine, le jungler des CRL a dessus. Quand même pas, faut pas déconner. Mais il passe à ce niveau 5, on est plus violent. Il touche hein, forcément de la Harry et grâce à sa range. Oui. Les top, ce manque de TP nous bloque un peu. Ouais, on pensait qu'on va demander l'aide du jungler, mais apparemment pour l'instant ça se passe plutôt bien. Minou qui va connecter, qui va retarder la chaîne, on va être forcé au flash, avec le stun qui va connecter, on n'ira pas plus loin. Mais plus de flash sur cette Harry.
Vas-y, le poke de Sexaïda. Ah, c'est dur, la ligne a l'air très très dur pour cette nid là. T'inquiète, il se retrouve extrêmement low. Ouais, mais Seraphine Isaya, ça a tellement de range en même temps que. Quelque chose. Donc le stun sous la tour, c'est pas pas une mauvaise idée. On a plus de mana côté de cette Ari. Steven qui demande dans le chat de mettre les personnages dans l'ordre. Oui. Bon, c'est pas si grave, c'est pas grave. Mais, ah bon, notre régie est là. Bien, merci de. Tandis que les scrubs cette fois-ci sont sécurisés par les Azurix. Premier scrub des Azurix dans ce BO. Premier de tout le BO? Ouais. Parce que les premières games et Serial ont eu des 6, deuxième game ils en ont eu 2 et après plus personne n'a le même chapeau. Ok. Effectivement. Et du coup là il va valider les 2 ou voir les 3 je pense. On dit qu'on va ward ce Drake du côté de Crazy. Oh l'ulti, on veut poke, on veut empêcher le back, c'est très bien joué parce qu'ici on est low du côté de Volley. On va dive. Oui, on va dive. Hein. 100%. Oh, il a quand même du plus de Vigo. Il a quand même du plus de spell. Ça va forcer le flash out de cette vie. Ça va s'arrêter là. Vie qui est très low quand même. Beaucoup de Torgank qui sauve la vie de son top laner. Oui, il est arrivé en légende. Hein. Ah, vraiment, au bon moment. C'est l'Euro hein, dans le Seigneur des Anneaux là. C'est. À l'aube de la 6ème minute, regardez au sud. Ah, 6ème minute, on va regarder, Alors peut-être. Mais ouais, beaucoup de Torgank. Tandis que petite avance de 16 comme du Hugo, hein. Il a 15 16 d'avance sur cette vie. Ouais, en plus il vient de lui craquer son flash. Bah Vigo aussi a flash. Avec des ressources similaires. Vigo aussi flash in pour stun. On a plus de 2 waves d'avance pour cette Xayah. Oh, oui, je viens de voir la différence de CS. 20 CS d'avance déjà. En termes de CS, pareil, on a une quinzaine. Par contre, à l'opposé du coup, on a pareil, à peu près 2 waves d'avance sur ce Rumble face au Volibear. C'est dommage, le stun n'a pas connecté pour la réelle. Il va falloir être un peu peut-être plus dans la défense du top laner. Là, agressif. On a la vie qui est pas loin. Elle est pas spotée. Ça va reculer. Ça se joue, hein, le passage niveau 6 de cette botlane. Ça se joue aussi sur la botlane, attention. Au moins sur Nila d'ailleurs, pour pas qu'on soit sur la réussite, le bisou qui va pas connecter. À ce moment, ça flashing R pour Rel hein, quand elle passe 6. C'est vrai, ça peut surprendre. On y va. Oh, l'ulti qui va pas connecter, du coup, ça peut tourner à la catastrophe ici. Non, le très bon stun sur Sexaïa qui va l'empêcher d'être free DPS. Le passage niveau 6 de la Rel, est-ce qu'on va tenter de ranger? Je sais pas si c'est un rappel de plume ou alors si c'est un snare de la thérapie, mais. Belle réaction. C'est le rappel de plume. Ça, complètement. Par contre, je pensais pas que l'ulti Nilat prendrait autant de temps à proc. J'étais étonné. Ouais, c'est ça. On va peut-être plutôt lancer l'ulti Rel en premier lors des prochaines escarmouches. Mais là, elle était que niveau 5, elle vient de passer niveau 6. Tandis qu'au top, on a ce Bolivir qui respecte Prodon, mais qui est au prix du farm. Ah, il se prend un vilain freeze au top là, il faut l'aider, c'est Volibear. Bah, l'aider, je sais pas, parce qu'en général, tu préfères jouer sur tes lanes qui gagnent en tant que jungler. Ça va aller chercher le premier Drake, on veut le contester. On va aller le contester, on a la Mina dans le bac, elle a pris l'ulti, mais la fatigue qui va être lancée directement, le Vigo qui va prendre énormément de dégâts, qui va se faire récupérer par Cleanse. Oh, le très gros rappel de plume de la part de cette Zaya qui va pas permettre de prendre l'équipe sur cette Seraphine, mais ce sera quand même le Drake, le first Drake en avantage des Azurix, et lui aussi un petit kill récupéré par Vigo sur Vigo. Et première fois qu'on a une escarmouche au Drake depuis le début de ce match. En général, les deux premiers Drake étaient sécurisés par les équipes 100% combat. Mais là, très beau flank de la part de cette Nila qui ramène un peu le bordel, qui oblige la botlane à reculer, et qui laisse Vigo un peu tout seul. C'est une équipe qui va créer le chaos dans les teamfights. Hein. Vraiment, Rel Nila vaille. Sans compter le red carpet de tunnel ou les moult dash de la Harry. Je pense que j'ai plein le Volibear. Hein. Honnêtement, Rodon est meilleur, mais ça me fait mal de... Quand t'as une game comme ça en tant que contre un Rumble, c'est pour ça que je déteste affronter Rumble, c'est dès qu'il a un peu d'avance, tu peux plus jouer. Il a 40 CS d'avance à 9 minutes.
Le snowball est terrifiant. Après, ça reste mobile, ça reste efficace parce que tu peux toujours cancel les tours, tu peux toujours avoir un stun facile, mais. C'est jamais agréable mentalement, faut pas craquer. Faut tenir le coup, faut se dire que c'est un mauvais moment à passer. Il faut serrer les dents pour Dark. Peut-être, Egoïde, il a un ulti, il a un ulti, il a très bonne ulti en réaction de la part de Slumble qui va faire botter les dégâts, l'ulti de ce Bolibert qui va faire plein de choses, Slumble qui va être complètement stun et qui va se faire récupérer ici. Et Klitz ne pourra rien faire. Le Egoïde de cette vie autoritaire sur ce Viego. Non, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est juste histoire de tenir respect. Est-ce qu'on va avoir l'inspiration sur ce Bolibert? Oh non, j'ai cru. Mais non. Il va pas s'arrêter. T'as rabiscoté hein, comme call. Et incroyablement clairvoyant. Très bon catch, en tout cas, très bon kill récupéré par l'Israël, ça fait toujours du bien. Ça donne un peu d'air à ce Bolibert. Il faut au moins envoyer un message à ce Rumble. Tu n'es pas libre de tes droits sur cette top lane. Voilà. Le Silas, le Binou qui va connecter, est-ce que ça peut. Oh, c'est dommage, ça va pas jouer à grand chose. Botte de Mercure, premier item pour Silas. Oui, on va sécuriser les trois autres scrubs côté Azurix qui nous frappe potentiellement. Je sais pas s'il va aller au bout, mais potentiellement 6 scrubs. Mais je pense qu'il va aller au bout. C'est un bel avantage. Hein. Je pense qu'il va aller au bout, y a personne pour le contester. Vas-y, mon petit. Et cette fois-ci, ce sera du coup les 6 scrubs à l'avantage d'Azurix. Deuxième fois du match qu'on a les 6 scrubs. Je sais plus si c'était déjà pour eux ou pas. Je crois qu'ils avaient joué les deux avec la première game Azurix. Oui, ils avaient joué la première. Mais comme je dis, hein, c'est les premiers scrubs de la part de l'équipe Azurix. Hein. La première game, c'était Serial qui a vu les 6. Okay. Et la deuxième game, les deux équipes ont un peu ignoré. Serial en a pris deux. Sous sa tour en train de lui cramer les poils comme ça. Faut punir ce Rumble, moi. Je pense que sur Rumble. C'est Serial dans le dodge, je peux pas vu. Ouais, c'est la vie en mauvaise position qui va se faire. Oh, il va dodge, attention, le Bibou qui va connecter. Il va sortir le flash out qui va porter la vie qui va prendre énormément de dégâts. Il va ulti pourtant pour le shield. Non, ça va pas suffire. Et le kill qui sera récupéré par Tenchi. Très très beau move de la part de CRL. Il vient récupérer un très bon kill sur cette vie. On va enclencher le snowball du Sidas et du Viego. Et alors là, ça peut devenir très très compliqué. Hein. Si un de ces personnages snowball hors de contrôle, c'est. Vraiment pas faire de jouer. On a engagé au mid. Non, il va dash out grâce à son ulti. Bon, une fois le Rumble sous la tour pour mettre la pression sur ce Volibear. Empêcher de CS proprement. On va quasiment être à 50 CS d'avance pour Frodon. C'est difficile pour Dark hein, ce matchup. Oh, il est sous la vapeur. Le catch dans cette jungle et le kill facile pour Frodon ici sur ce Viego. Aïe, le snowball est terrible. C'est mon top side, sors de là. Alors on disait, hein, il faut punir ce Rumble sur sa tour, mais non, c'est l'inverse, c'est lui qui va punir Django dans sa forêt. En ta revanche, tu vas me gank, t'as pas de soucis. Moi aussi je te gank. Il va flash air, c'est bien. Non. Je joue agressif dans cette botlane, mais on n'arrive pas à trouver la faille. Hein. Les très bons spacing de la botlane des CRL qui empêchent complètement l'engage. Beaucoup de rage, hein, comme tu disais, pour rentrer des avec sa rapine, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de Timo, quoi, avant de rentrer dans le contact. C'est ça, c'est compliqué parce qu'on arrive. En fait, on arrive. Si même si on arrive à trouver un catch, au final, on est mid-life. Bah, c'est compliqué à gérer. On va y aller au flash, mais ils ont aussi les flashs à l'opposé. Okay. Essaye de bait, hein. Enfin, donc le Silas avec la vaille juste derrière. Ouais, on veut provoquer l'erreur. Hein. On veut provoquer l'erreur. Sachant que cette vie n'est pas vue. Oh, le cul qui charge. Oh, dommage, il va rater à pas grand chose. Attention, le Viego en backup. L'ulti Silas sur cette vie. Attention, on a le Rumble pas très loin. L'ulti Rumble qui va faire énormément de dégâts. Le tapis. Oh là 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 là, ça va beaucoup de slow. Mais il n'y aura pas les dégâts. Rumble est pas encore assez feed. Ça suffira pas. C'est dommage, du coup, ce sera un kill et le Drake récupéré pour les CRL, très certainement. Il va tenter un peu qui a fait tout le trajet depuis la top lane pour venir sur ce Drake. Et on a une TP de Dark. C'était une bonne attention, l'équipe bleue. Attention, à pas s'empaler ici pour les Azurix. A pas give up le gère avantage qu'on avait en early. Et voilà cette rail qui va se faire récupérer facilement. Et c'est dur. C'est dur. Et du coup, on a Tenchi qui est bien en 2-0-2 là. On a le Drake infernal. Et en plus de ça, ce sera donc une flamme des océans. Ah bah c'est bon, ça plaît beaucoup à Volibear, ça va plaire également à Viego qui va sûrement faire un stuff pour survivre, donc ça Nord Sky, Sterak, beaucoup d'HP, qui va lui permettre de sustain beaucoup dans les teamfights.
C'est vraiment une très belle sim pour les deux équipes d'ailleurs. Ça irait très bien sur Envy et sur Rel. Donc à voir. Qui va se saisir de l'âme pour probablement dans minimum un quart d'heure. Je pense que Silas va valider son Road of Age sur ce bac. Et voilà, on a le Kraken pour cette Gouraya. Entre les items qui commencent à être complétés. Demande quel avantage en gold on a par exemple entre les deux top laners. On a 40 PS de différence, 2 kills d'avance. On doit pas être loin de 4K d'avance. Pas du tout. Je suis pas comptable. D'avance, t'abuses un petit peu, frérot. Tu. Vous êtes Marseillais, non? Oui, je mange du pastis au petit déjeuner. Et on est à 4 kills. Carrément, on t'en fait des glaces. J'adore ça. Non, c'est pas vrai, je propose que ça. 1,6K d'avance du coup pour le Rumble. C'est pas cher payé, hein, franchement. 50 CS, 2 kills d'avance. Mais quand on le voit, rien qu'au gold général, hein, la game est close. Hein. Il y a 116, il y a même pas 100 gold d'écart. Hein. Ça va être Asteral. C'est que l'Herald, on n'a pas beaucoup vu, il n'a pas été forcément focus. Il a été récupéré, mais on n'a pas eu de gros teamfight à l'Herald dans l'early. Et pour l'instant, on va le laisser au céréal, je pense. On va pas tenter. J'ai l'impression qu'on va pas se battre. Hein. Les PV mettent du temps à tomber, on veut peut-être setup, oui, l'ulti va compter. Sur ça, Xayah, est-ce qu'on peut aller plus loin? On n'a pas d'ulti sur la Harry pour commit, c'est dommage. Il y a récupérer, attention à pas overextend. Il y a donc il tombe sous les yeux ébahis de ce volibear malheureusement. Du coup, bot, on a un Talka qui fait sa vie. Il faut être la tour. On le cheesy bush. Oh non. On le cheesy bush. Je ne pense pas qu'on aura les dégâts, mais. Oh. Ça reste un voli quand même, ça a des HP. Je l'attendais en mode la Xayah, la Xayah autoritaire, c'est dommage, le flash qui va pas connecter. Ouais, y'a du monde. La vie, c'est la vie, c'est pas possible. Oui, pour et derrière, c'est la débandade. C'est la débandade, le drame de Sinette qui va connecter. Est-ce que Zenvi va tomber? La Nila qui va tomber sous l'interruption de Xayah. On va aller chercher Zenvi. La reine qui va exactement tomber, c'est le doublé pour la Xayah. Et c'est le kill récupéré par Steviego. Les céréales qui sont en train, qui profitent de cette erreur pour creuser un tout petit peu l'écart et pour aller chercher des kills importants. On fait la différence hein, vraiment sur du côté CRL, on joue vraiment sans brider là, on est vraiment en train de rentrer dans Azadix. Ça se fait du mal à connecter stun sur sa rel, c'est dommage, les flash stun qui ratent à pas grand chose. Pareil la vie qui le très bon ulti Xayah pour dodge cette ulti vie. On va quand même en loot compensation récupérer la T1 top, T1 mid pour les Azurix. Exactement, et ouais, du coup, on est à quoi, une T1 par coup? Voilà, T1, c'est non, il y a les 3 T1 pour Azurix. Ouais. On a l'avantage de l'objectif pour Azurix, mais c'est grâce aux Krubs en fait. C'est grâce aux Krubs qui permet de se push. C'est dégâts bruts continus plus les petites bestioles. Ouais. C'est vrai. Et on a le Herald sur ce volley bien utilisé pour peut-être even la chose. Récupérer au moins une tout le monde, T1. Pourquoi le chef de la mid lane Oui, je pense que c'est assez cool. Attention, le 1 contre 1, il va aller chercher Sylas. Bon, c'est rapide. Histoire de. Oh, s'il le détruit. Histoire de le tenir en respect, vraiment, de lui dire redescends, garçon. On va se taper sur la T1 mid lane. On en parlait avec l'engage de la vie. On l'engage directement. C'est Xayah qui va se faire tout cesser, qui va se faire récupérer partout. L'Herald qui sera complètement useless du coup. Très très bonne opération pour les Azurix ici. Ils engagent au moment de l'Herald. Ils forcent le back de la Séraphine avec l'Herald et ils prennent ce shutdown sur cette vidéo. Ah, l'escape était incroyable. Mais ça reste pas à voir évidemment. Il aurait même pas pu charger du coup vu qu'il était piloté juste avant. Rookern first item sur Volibear, j'avais pas vu. Intéressant. C'est vrai qu'en face on a Harry Rumble, pourquoi pas, c'est un bon item je pense. Oui, je pense que, et puis la régène fournie par l'item peut faire la différence hein, je pense, donc oui. C'est vraiment, ça peut être intéressant. Bon call de la part du Volibear pour comme il est très weak side, il doit faire un maximum, avoir un maximum de stats avec un minimum de monnaie, je pense qu'il a fait le bon choix avec ce Rookern. De toute façon avec 76 de star, t'as pas vraiment le choix de prendre des items qui coûtent pas cher quoi. C'est... Ouais. Du coup on va engager chez Drake. Il préféré être condamné hein, contre un AD pour prendre un cœur gelé mais... Oui, c'est l'engage de Drake qui va commencer à faire descendre les HP. Ça, c'est pas un peu tôt. On n'a pas la vision côté CRM, mais bon, sans doute. Hein. C'est bien faire le Drake. Il va être récupéré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va récupérer l'ulti Rumble qui peut faire énormément de dégâts dans les mains de ce Silas. Ça va reculer tranquillement, ça va être facile. T'as raison, hein. Je pense qu'ils vont l'utiliser après avoir pris la T1. Peut-être.
Je pense qu'on va l'utiliser pour prendre la PO justement. C'est vrai qu'on pourrait donner du coup les AVX avec le tapis rouge. Mmh. Ça se regarde un peu dans les yeux, ça attend l'erreur. La game reste even hein, malgré les différents teamfights, les différents plays. Il y a un petit cagole d'avance Azuri grâce à leur domination au niveau des objectifs. C'est la différence entre le Rumble et le Volley Bear du coup qui rend les choses even. Mais entre les quatre autres joueurs, on a une différence considérable de gold, je pense. C'est assez drôle parce qu'à chaque game, la game est de plus en plus even. En première game, on a 6 cagoles d'écart à 20 minutes, ensuite 3 cagoles et là on a un cagole. Alors, bah, du coup, on a 700 gold d'avance sur le Viego. Et. Oh, non, c'est assez even en fait. Hein. On a que les 2 cagoles d'écart entre les deux top laners. Sinon, ça se joue à 700 gold. Dans la jungle et 600 gold à la DC. Donc... Ouais, on va dire que en général l'équipe CRL a plus de gold sur ses carries, c'est simplement le retard en CS. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention, mais le Sylas n'a que 132 CS, c'est pour ça qu'en fait qu'il est pas tant devant que ça. Il a 2 kills, 5 assists, il est extrêmement présent pour son équipe, mais il a pas une si bonne économie que ça. Non, en général, on manque de CS pour les CRL à part cette Zaya qui a réussi à prendre à faire une très bonne phase de lane. Là, ça va prendre l'info, ça va set up ce Nashor. Est-ce qu'on peut tenter un catch? Il n'y a pas la vision côté Azurix. Attention à pas aller trop loin. Le trap à la Fnatique. Ouais, attention, le bisou qui va connecter sur cette Zaya. Zaya qui va prendre beaucoup de dégâts, elle va être forcée à ulti directement. Le très bon ultime sur Abdel dans la mêlée. La Zaya qui va complètement servir des poches, on n'a plus de carry, on n'a plus d'ADC. Et derrière, Voli qui va tomber, Seraphine également sur le très bon ulti, Mimi. On va aller chercher le Viego. Non, il va ulti out. Mais son train après Nashor sur ce catch, très très bien joué de la part d'Ajo. Ah, Zurix encore. Très très belle opération. Très beau bisou qui va toucher sur la Zaya. Il va forcer son ulti. Mais pourquoi il a fait sa flash? Pourquoi elle s'approche de gauche sur ton ulti? Et même après son ulti, elle a une stream pour flash, elle refuse de flash. Ouais, c'est dommage, c'est le petit misplay qui coûte très cher. Force un teamfight que le CRM ne veut pas forcément prendre comme ça. Et... Ah, c'est dur, hein. On passe directement 4 cagoles d'avant pour Azurix. 4 cagoles devant plus le Nashor, donc ça va encore plus creuser l'écart. C'est dur, et en plus. Baron Powerplay qui va rentrer en compte, effectivement. Et on commence à valider les deux items sur chacun des carries de Azurix à deux items. Ah ouais, Navori statique pour la Nila, on est ensuite sur Lichbane Malignance pour la Harry. On a l'air de se diriger sur un coup près pour la vie. Non, il n'y a pas la GV exaltante. Là, c'est la GV bien, elle a 3 minutes pour enterrer la game. Oui. Voilà. Ça va le Rumble. Shadow Flame plus Liandry, c'est pas des trous qu'il fait, c'est des crevasses. Mais ça va encore sentir le cochon gris, et surtout s'il attrape la Xayah, je peux te dire que les plumes ça flambe. Ah, de toute façon, on l'a vu sur Teamfight, hein, elle s'est fait catch, elle s'est fait instant ulti rumble et elle s'est fait des pop. Quoi. Elle a disparu. Elle a dodge le burst de la Harry, mais pour au final mieux se prendre le burst du rumble. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, tout à fait. Lich Bane sur les deux midlaners en deuxième item. C'était complété. De ça, Azurix aura le baron pour le fight au dragon, ce qui leur ouvrira peut-être la porte et une grosse avance pour l'âme. Ouais, bah, laisser le dragon. Le grave qui va rater ici, le grave qui va rater, du coup le bisou qui va connecter, le bisou gratuit, c'est qu'on va aller plus loin, on va faire directement le tiari qui va être balancé, des deux qui va être volé, mais le tiari qui sera plus. Attention, le catch rumble, ça va pas suffire. Ulti rumble, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il va être force au flash, tandis que l'ulti et la vie derrière dans le bac. Est-ce que ça peut aller? Il va catch le Viego. Le Viego qui va prendre énormément de dégâts, il va force au flash. Est-ce qu'on va avoir les dégâts? Oui, Viego qui va tomber derrière le stun. Ça sur ce Volley Bear qui va se faire fondre, qui va se faire griller par le rumble et c'est le doublé. Oh à la broche au menu pour les Azurix. Et on va pouvoir s'effrayer peut-être la T2 avec 3 joueurs pour la tabasser. Et la Nila en flanque sur le côté, vous l'avez vu. On veut tenter un dive. On a un flash ulti peut-être. Non, on va juste protéger le canon, tranquillement. Ça va être très long. Non, mais pas très canon en plus. Tandis que la wave arrive là. Je pense qu'on attendait cette wave potentiellement pour action. Tandis que, au top, Kalopsia, malgré son manque d'ulti, tient en respect son Sylas. On va prendre cette T2 et on va se diriger sur le Drake. Encore des sous, toujours des sous. Ouh, attention, solo bolo quand même. Ou le très bon dégât, attention, mid-life, Kaliopsia a pas overextend, on a pas de faire catch.
Avec la malignance qu'il a récupéré son équipe. Très très vite, hein, quel obstacle ça arrive. Ce sera donc, ils vont donc ouvrir les portes à l'âme pour Azurix. Quatrième knock de la partie et le troisième pour Azurix, effectivement, on est sur le soul point pour eux. Et honnêtement, j'ai pas envie de voir une Lila âme des océans. Ça vous serait j'aime pas. Ah ouais, 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 merci toi. Mais ouais, du coup là, les Azurix qui montrent leur supériorité en termes de macro et qui creusent l'écart grâce à Snashor. Hein. Ils sont bientôt à, ils sont à 7 kagols d'avance maintenant. On était à 4 kagols au moment de la prise du Snashor et ouais, on est déjà à plus 3k en, juste en baron powerplay. Vraiment une très belle utilisation de. Je pense que le baron de la mafia. Le baron, il doit rester encore une petite minute. Est-ce qu'on peut vraiment aller encore chercher quelque chose Oui, il doit rester 30 secondes, tu as raison. On a pris cette T2 quand même, on a pris ce Drake, c'est déjà pas mal hein. Pour un porteur de dragon, on va pas se mentir, c'est bien. Donc, de toute façon, ils savent qu'ils ont l'avantage, pour l'instant, ils savent qu'ils ont encore un peu de temps avant que le scaling des céréales fasse vraiment effet. Et même, j'ai envie de dire, même de leur côté, Azurix, en termes de scaling, ne sont pas à plaindre. Ils sont pas, ça restera plus dur pour la Nila de poser ses dégâts pour la Xayah. Mais sinon, le scaling est vraiment le plus côté. Du coup, on décide de mettre cette Harry en side. Harry, malignance, Lijubane, très grosse baguette. TP. Attention, peut-être l'engage de cette vaille. Autoritaire, non, ça va reculer tranquillement, ça se regarde dans les yeux. Attention, Larry, elle va prendre un mauvais stun de Sviego. Larry qui va commencer à revenir. Je pense qu'on va attendre cette Harry. Larry dans le flanc, Larry en flanc. Attention, attention, est-ce que ça peut aller chercher une Zagzag qui va à Serclo. Le bisou qui va commencer dans le très bon ulti pour permettre de dodge, mais du coup, il m'a plus soit efficace dans le multi-rumble. Est-ce que ça va suffire? Oh là, l'engage autoritaire de cette vie qui va aller chercher cette Zagzag. Malgré la fatigue, elle va très bien placer pour se repositionner l'ulti dans la fatigue. C'est incroyable, le rumble qui va se faire des pop. C'est un bordel sans nom. Mais il est Azurix qui est en train de s'en sortir. Silas qui va tomber, Voli qui va tomber, Viego qui va tomber sous les coups de cette vie là. C'est la game. Ah non, ils font protéger ce canon. Oh là là, et je pense que ça va être la game. 30 secondes pour chaque champion, pour chaque héros du côté de Cyrel. On a la wave qui arrive. Est-ce que Psyuki peut potentiellement défendre et clear cette wave? Je ne pense pas. C'est la game. Ça va être dur. Mais bien sûr que c'est la game. Et c'est fini. Et Azurix qui va s'en sortir. Et qui va sortir vainqueur après une première game compliquée. Il va montrer sa supériorité, s'imposer dans ce BO. Et ce sera donc Azurix qui va remporter les playoffs de la Dish 3 et qui pourra jouer les up and down. Incroyable. Azurix remporte la Dish 3. Très très belle performance de l'équipe. Ils rencontreront leurs adversaires plus tard, mais quelle performance incroyable! Oh, j'ai pas les mots, vraiment c'est. Tout s'est passé si vite! Ouais, on l'a dit, hein, ça peut aller très vite hein, à partir d'un certain temps, ils avaient suffisamment d'avance pour finir et on le voit, hein, le très très beau, le coup de génie de cette vie, on se dit, bah c'est bon, la Xayah a réussi à s'en sortir à pas grand chose et elle arrive à trouver la frame sur l'ulti pour aller la chercher. Derrière, on a l'engage, on a quand même une tentative de ce volley de contenir, j'ai envie de dire, l'assaut avec son ulti pour tempo, mais ça suffira pas. Derrière, on a le engage, le rumble qui tombe, mais la rel avec tous les dégâts, puis la Nila qui était free DPS. C'était trop compliqué. Ah ouais, non mais là... Je veux juste, avant de... Qui est le MVP de la game, selon toi? Oh, c'est dur. C'est... Moi, j'en ai un, et... Moi, j'ai envie de dire, pour Fronon, parce qu'il a fait quand même une très grosse game, et il a... Enfin... Moi, ouais, j'ai envie de dire... Ouais. Fronon fait une belle game, c'est vrai. Il a fait trois belles games, d'ailleurs. Domino top... Complètement, il fait un très bon travail sur sa lane et derrière il est solide quoi. Pour moi, c'est cet Harry. Hein. Oh là, Harry de Calopsia! Oh mon dieu! Oui, il a bien joué, c'est vrai. Et c'est lui qui fait les bisous clutch juste avant le Nashor. Il vient faire le bisou sur la. C'est vrai. La Xayah. Dernier teamfight de la game, il vient forcer l'ulti Xayah avec son dash bisou. Et ça provoque du coup le dernier teamfight. Waouh! En vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été plus clutch. En fait, c'est pas... je ne mettrais pas Frodon MVP de la game, mais je le mettrais plus MVP du BO pour sa régularité. Ouais, je crois que tu es d'accord avec Mopraté dans le chat qui vient d'écrire exactement ce commentaire.
Voilà, bah, les grands esprits se rencontrent ici. Voilà, mec, on est d'accord, super. Mais c'est ça, Harry, c'est vrai qu'elle était plus clutch, mais genre, Frodon a juste été huge sur toutes ses games. Il a été solide, peu importe la situation, peu importe comment sa game se déroulait. Il était extrêmement régulier. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir une interview ou pas? Je demande à la régie. La régie nous demande. Vraiment, l'extrait que la domination de la top lane était insane, non? Enfin, dans ma tête, vous voulez bien gagner complètement le match, mais pas du tout. Il a imposé le respect. Hein. Mais c'est ça, mais dans ma tête, en fait, je pense que c'est Rumble, encore une fois, early, qui on sous-estime trop les dégâts de ce champion parce qu'on se dit c'est AP, ça fait mal qu'à partir de deux items. Ouais. Mais en fait, Rumble early, ça fait tellement mal. Oh, voilà, c'était incroyable. Tu comprends rien ce qui t'arrive, tu te retrouves mid-life alors que genre c'est un combat niveau 2 contre un AP qui a même pas un item. Et tu te dis comment c'est possible, et en fait tu te fais récupérer sur là-dessus. Oh, je suis pas on l'a vu, hein, le solo kill à 2.30 qui met un peu au fond ce volley, parce que Rumble pour le coup, non seulement ça surprend par ses dégâts en early, mais en plus quand c'est devant. Ah oui, ça semble extrêmement violemment Rumble. En fait, alors on l'a vu, il a mis quoi, 70, 96. Ouais, j'ai pas vu à la fin s'il avait Flame Horizon, mais ouais, c'est très compliqué hein, pour Dark cette dernière game. Pourtant, il n'avait pas démérité dans tout le BO, honnêtement. Il a offert une belle résistance, hein, notamment première game où il a été très très solide sur son. Bah, c'était Rumble. Sur son Rumble. Bah, sur son Rumble, en fait. Mais ouais, en tout cas, c'était un beau BO. C'était un très beau BO. J'ai beaucoup aimé le cast. C'était il a eu l'audace de sortir un Kled, alors ça me fait. Non, mais merci. On a eu des beaux matchs, on a eu des rebondissements. Merci, mais simplement, Azurix qui montre son niveau réel, j'ai envie de dire, son expérience, où bah, on le voit dès qu'ils ont, on voit hein, des céréales qui sont solides, mais qui ont du mal à finir leur game, notamment, je l'ai vu en game 1, où ils avaient l'avance, mais ils ont du mal à concrétiser, alors que Azurix, on l'a vu, dès qu'ils ont pris l'avantage sur ce Nashor, ils ont déroulé, et après, c'était facile, quoi. Exactement, je l'aurais pas mieux décrit. Un peu de mal à démarrer, un vrai diesel, pour le coup, Azurix, sur cette soirée. Mais c'était, ils ont c'était le beau. Temps de se mettre à leur vitesse de croisière, il était 22h et hop, ça a déroulé derrière, hein, vraiment. C'est vrai que du coup, bah, je m'attendais à une game encore une fois peut-être de 40 minutes, vu que c'était assez even au début, et en fait, bah non, du coup, Azurix, bah, voilà, qui ont ou le compresseur. Mais la deuxième game, en tout cas, je pense que c'était ma préférée, parce qu'elle était vraiment close de fou. Ah, la deuxième était incroyable, ouais. J'ai bien aimé aussi. J'ai beaucoup aimé la deuxième game. Et on aura, et on confirme par la régie, on aura du coup le MVP du BO ce soir pour Frodon, le top laner d'Azurix, en interview. Qui va pas tarder à arriver, qui va nous rejoindre. On va voir un client. Bonsoir à toi pour Frodon. Comment bonsoir. Ça va ? Bonsoir à vous. Bah plutôt bien vu qu'on a gagné et vous. Comment tu t'as été monstrueux sur ce BO, mec. Bien joué. Je sais pas si t'as trop suivi, mais tu es le MVP ce soir. Ah bah en vrai, après ma première game, je crois quoi, 4 solo kills. Je me suis un peu fait pisser dessus par ce Rumble. Enfin non, pas les solo kills, mais bon. Oui, première game, j'ai souffert mais... en vrai. Après, il y a eu un bon retour de bâton, mais... Ouais, on a senti que t'avais faim. C'est cette petite transi niveau 2 qui t'a mis dedans dans la première game, non? Ouais, bah en vrai, moi, j'ai... Rumble, j'ai trop tendance à disrespecter. En vrai, j'aime trop me bagarrer et ça m'a coûté là. Le dive sur la grosse wave et tout, ça fait mal. Mal. Et sinon, comment sur tout le BO avec ton équipe, comment tu t'es senti, comment vous avez géré ça? Bon, en vrai, on était assez confiants, j'ai envie de dire. On savait que même après la première game, on pouvait toujours win et tout, et que voilà, au niveau de la map et du mid game, on était au dessus du coup. Voilà. On a juste gardé le momentum et on y a cru jusqu'au bout et voilà. Ce pick Volibear top, il était cool dans la draft, dans la game 3. Je crois qu'ils ont. Bon, en vrai, c'est la force du pick, je pense, en blue, vu qu'il le first pick. Mais je crois en 3, ils ont lock le. C'est quoi déjà en face? J'oublie, je crois en 3, ils ont dû lock le jungle. Je sais plus ce que c'était. Le Viego. Je crois qu'ils ont lock le Viego en première rota. Donc après. C'est vrai qu'en vrai, on m'a gardé de la speak pour la dernière game, mais j'étais un peu. En vrai, Volitop, c'est strong, du coup. Voilà, on a dû faire un duel de perso unbalance en top lane. Rumble, Volibear, c'était bien. C'était bien j'aurais amusant. Pas mieux dit. J'aurais pas mieux vrai, dit. On a été surpris. Et du coup, aussi, vous êtes du coup qualifié pour les up and down, pour la division 2. Et bah, est-ce que
Bah, j'imagine que vous êtes content déjà, mais comment vous sentez pour le match là à venir du coup? Ben, je pense qu'il va falloir préparer tout ça. Hein. Un match, ça se gagne et on va tout donner en vrai. Là, je connais pas encore nos adversaires en vrai. Je sais pas si on peut voir, mais c'est les Belgian Banter Clowns. Ben, ils ont intérêt à se préparer parce que là, ça arrive fort. Hein. Ah, la confiance, il a raison. La fougue de la jeunesse. C'est la fougue de la jeunesse, t'as raison. Non, t'as été très très impressionnant sur tes trois picks. Hein. Enfin, sur tes deux à trois, c'est ton humble. Non, en vrai, le top en face, en vrai, il jouait des trucs un peu tricky. En vrai, c'était chaud. Son petit Kled, moi, Kled, ça me terrifie un peu. Donc, en vrai, la game 2, en vrai. Ah, t'es un top laner, toi, non, je sens. Ouais. Je sens qu'il y a des avis de Chad, en vrai, là. Oui, Kled dans Atrox, c'est compliqué parce que tu peux. Enfin, Atrox dans Kled plutôt, c'est compliqué parce que c'est compliqué de caler tes sweet spots en fait. Du coup, bon, c'est clair que ça devrait pas être facile pour toi, mais t'as géré. Hein. Ouais, ça va, ça va. Super perf, vraiment. En tout cas, on a été content, moi et Lental, de caster cette game. C'était très agréable de vous voir. On aura tout eu, vraiment, des remontées, des remontadas, des semi-remontadas, des pas du tout de remontadas. Vraiment. Ah, merci beaucoup. En vrai, ça fait plaisir d'être cast en vrai. Surtout quand c'était un beau match, les games n'étaient pas pliés, il y avait du suspense jusqu'au bout, donc parfait. Je pense que les spectateurs ont apprécié. On a apprécié de toute façon. En tout cas, voilà, je pense que sur cette belle interview, sur ces belles paroles, on va souhaiter bonne nuit à tout le monde. On va laisser les joueurs se reposer, parce qu'après un match comme ça, je pense qu'ils sont quand même un peu fatigués. Match vous à avez mérité. Merci, guerrier, messieurs. On va laisser également notre régisseur se reposer parce qu'il a été légendaire aussi ce soir, comme toujours. Gros big up à lui, Urus, l'homme de l'ombre, qui nous offre toujours une qualité de stream incroyable. On l'embrasse. On l'embrasse. Et en tout cas, Ilental, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, c'était vraiment une game de très très haute qualité. Division 3, vraiment, ça rigole pas. On s'est tous fait plaisir en regardant ce match-là. Et merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu que vous étiez une petite trentaine sur le stream tout au long de la soirée. Merci à tous. Et puis passez une très bonne soirée et un bon week-end à vous. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Thank you.